bomb. Be ready for hostile action. Bien joué. Prends du lion. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me l'a mis. Il est à la cour. If you remain in this zone, you will be detected by hostile. Your location has been... J'ai besoin de mauvais boutons. Vite, faut le tuer. Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Hang away, falling away, forever. Hey. Nice. C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors, tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la Au pire, il a donné un euro. Merci mec, il va pouvoir m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse balade. Allez, allez! Chargez! Allez, va pas plus vite! Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à Among Us et que pourtant j'ai jamais été imposteur. Faire une voiture à des pneus, évitons donc de se faire écraser. Yes! Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylon. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylon et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote X Dark 6 PS4, il avait fait un kill l'autre fois avec une putain de one tap avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de... Jamais été un poster, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a les contacts. Faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh, il a... Non, il a vraiment claqué. Non. Oh, tu m'as troll. Oh, tu m'as troll, Fiscal. Allez, relax. On est les malades. On est les animaniacs. Hang in there. Yo, you need a man pack. Joue pas trop avec moi, mec. Ta gueule. Ah, bon coucou. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je vais les prendre, je pense que je vais en payer. Oh! Double citadelle! Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve, ça, sérieusement. Les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui, petit cul. Oui, petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée.
Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Hein, comment ça va tout le monde? Salut tout le monde, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il dit là? Salut Jojo, salut Siska, dure la journée, je débute sur PC Rainbow Six, j'étais level 380 sur PS4. Eh ouais, bienvenue dans la cour des grands potos, hein. Si 4 fait un slash les weather clear STP, ouais je le ferai, pas... il fait froid là, non tranquille il fait chaud en fait, c'est une pluie tropicale, ok, bon rentrez quand même. Bon, j'espère que tout le monde va bien sur le campus de la Salty Academy, merci infiniment Kuba, déjà nouvel étudiant du campus de la Salty Academy, merci infiniment mon chéri. Waouh! Chez Manu, il sort celui-là. Eh non, je pensais au chocolat, bien sûr. Je sais pas du tout. Et voilà, je sors enfin du closet. ok, merci infiniment. Gros monstre. Nouvel étudiant du campus de la Santé Academy. Nom de Dieu, mon chéri, il est parti tout seul celui-là. Merci Kuba, en tout cas. Bienvenue, welcome. Voilà, tu es le premier. Et ça dérape. Le tatouage. Oh putain. Le tatouage. Mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Il y a eu un problème, j'ai dû le poncer. Non. Ah mais attendez. Tant qu'il y a des personnes qui payent des droits de scolarité, je ne peux pas. Merci infiniment Tomio pour les 7 mois de frais de scolarité. Merci infiniment, un monstre. Merci pour tes 7 mois de frais de scolarité. Vraiment, ça me touche énormément. Pourquoi est-ce qu'elle lit plus les trucs, elle? Elle nous fait chier, elle. Non mais sérieux. Normalement, elle merci, bien sûr. Et elle le dit plus, quoi. Hein? Voilà, quoi. Bon, j'espère. Merci infiniment Mister Boo pour les 3 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. À quand le tatouage avec la tronche? Tatouage avec la tronche de Mary. Hey, meuf! Tu fais ce que tu veux en fait, c'est ça l'idée. Ouais, elle lit quand elle veut en fait. Pourquoi? Salut Six, toujours un plaisir. Ah, c'est peut-être parce que c'est mal écrit. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi. Parfois elle lit, parfois elle lit pas. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Prime peut-être? Peut-être Prime? Ça aurait aucun sens. Merci évidemment Mister Boo pour les 3 mois en tout cas. Encore un tatouage sur la tronche de Mary. Quand j'aurai pas de goût. Voilà. Non mais je vais peut-être faire un truc comme ça, genre 5000 abonnés sur le campus de la Salty Academy. Un truc insane. Ou 4000 abonnés. La tronche de comment dire, de Mary quoi. Mais sur la fesse quoi. Sur les fesses. Sur le fion quoi. Voilà quoi. Hein, voilà. Tu peux le faire du coup. Non, on est 1690 étudiants sur le campus de la Salty Academy. Ça va le bras? Ah mon dieu. À quand le retour de Len en stream? Peut-être qu'il le fera pour le prochain... Youngtis Royal. On est encore dessus. Hein. Ça aura peut-être un peu de retard. Je pense qu'on le débutera en juin, ça c'est sûr. Mais comme on essaie de faire des nouveaux trucs là, voilà quoi. C'est en cours quoi. Sur la fesse que ta femme le voit tous les jours. Grave, surtout que je suis célibataire. Mais bien joué Emma, bien joué. Bien ouais, vas-y. Mais je me disais qu'il y avait une connerie. Ah ouais, il y avait un problème avec le son là. Il y avait deux musiques qui se sont lancées là. Qu'est-ce qui me fait Spotify? Vas-y, je vais me faire ban. Voilà, quand t'imagines pour un truc de ouf. Voilà. Oh la boulette, non t'inquiète. Len revient dans le prochain Six Invitational. Non mais la prochaine fois en revanche, là où il pourrait revenir, bah forcément. Après ça dépendra des prérequis qu'on demande pour participer à ce truc royal.
ce machin Academy, voilà, je vais dire comme ça, puisque le nom est encore, voilà, on y travaille. Du coup, bah, ça dépendra des prérequis, quoi. On demande quand même quelques prérequis. Certes, il n'y aura plus le prérequis de l'âge, voilà. On enlève le prérequis de l'âge, mais il y a quand même un niveau minimum à avoir sur le jeu. Donc ça, voilà, il pourra y répondre, etc. Maintenant, l'autre truc, ça peut être les disponibilités. Hein, voilà. On ne peut pas juste faire des personnes qui vont juste être là pendant le mois de juin. Il faut des personnes qui soient assez disponibles, en fait. Qui soient disponibles pendant tous les play days. Et voilà, et c'est pas évident. Au mois de juin, il peut y avoir les vacances, des trucs comme ça. Donc, il faut qu'ils soient disponibles pendant tous les play days. Et ça, c'est sine qua non, quoi. Hein. C'est une obligation absolue. Et pareil, après, il y a une certaine disponibilité quand l'équipe sera formée. Voilà, quoi. Junior égale moins de 9 ans. Ouais, on a enlevé le terme junior, de toute façon. Ça va sauter. Voilà, quoi. Ma mère est célibataire aussi. Ok, vas-y, faites gérer les darons. Faites tourner les mères. Vous avez raison. La Salty Academy va se transformer en app de rencontre. Hein, voilà. C'est un putain de projet, en vrai. Ouais, ça va être cool, ouais. Ça va être cool, parce que la dernière fois, le Yunkies Royal s'était extrêmement bien passé. Après la gestion de Yunkies, on a dû faire des erreurs et tout, de part et d'autre. Je pense que, voilà, c'est ce qui a fait que ça n'a pas continué. Voilà, mais l'expérience était vraiment bien, donc autant le prendre sur une note positive. Et assez pour qu'on veuille le reproduire, quoi. Voilà, même si on a attendu quasiment 2 ans. Mais au final, l'année dernière, quand j'y repense, on a aussi fait un Yunkies Royal, mais qui était le Valo Royal pour le coup. Mais là où la seule différence, c'était que sur Valorant, je m'entourais de 4 personnes. Et moi, je voulais jouer. Voilà. Alors que là, j'irais dans une logique de coach, slash analyste, slash pas joueur, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça débutera normalement sur R6, bien sûr, cette fois-ci, courant du mois de juin. Je suis quasiment sûr à 90% que ça va débuter en juin, à moins que, étant donné qu'on est en train de discuter avec d'autres trucs, on a envie de faire un truc un peu plus grand que ce qui était gros, que ce qui était prévu au début. Donc ça nécessite un peu plus de préparation. Voilà. Et on fait rentrer plus de... Sans trop teaser. On aimerait faire rentrer plus de... Comment dirais-je ? De parties. On aimerait faire rentrer plus de parties dans le truc. Hein, voilà, quoi. Jolie barbe. Bon, y a pas de barbe, du coup, je l'ai rasée. Ouais, mais elle a repoussé un peu, là. Voilà, quoi. Bon, sinon, vous voulez voir le tatouage, j'imagine ? Hein ? Est-ce que je suis le seul à avoir ce côté perfectionniste de merde qui fait que je me ronge les ongles ? Putain, la vache. T'es toujours à vouloir des ongles parfaits. Et en fait, vu que tu les veux parfaits, à chaque fois, il y a une petite peau, un petit truc, un petit machin de merde. Et du coup, en fait, tu les défonces complètement, quoi. Alors qu'il faudrait juste pas les toucher, quoi, tu vois. Envoie ton tatouage. Ouais, je vais le faire. Moi, j'aurais tellement aimé, mais je suis au Québec depuis 3 ans. La vie est nulle. On n'a pas mis de prérequis le fait d'être français. Voilà, je le dis juste comme ça. On n'a pas mis dans les prérequis le fait d'être français. Je réfléchis au fait, est-ce que c'est une connerie ou pas ? Non, en soi. Après, la seule vraie problématique, c'est le créneau horaire, quoi. C'est tout, quoi. En revanche, ça, oui, on ne s'adaptera pas, malheureusement, à différents fuseaux horaires, et en particulier aux fuseaux horaires du Canada, quoi. Après, si on fait les... En règle générale, ça se fait en début d'après-midi, quoi. Voilà, quoi. Donc, en règle générale, avec un moins 6 heures au Canada, ça tombera toujours sur des horaires qui sont pas déconnants, quoi. C'est pas comme si j'allais faire des trucs à 11 heures du mat, quoi. Voilà, si on fait des trucs à 19, bon, bah, voilà. Si on fait des trucs à 20, chez vous, il est 14, tu vois. Donc, bon, c'est pas déconnant, quoi. Si on fait des trucs à 15, il est 9 heures du mat, bon, c'est pas déconnant non plus. Voilà, donc je pense que non, ça peut le faire, quoi. Il y a un formulaire à faire pour le Yunkies Royal. Ouais, il y aura un formulaire à remplir, ouais. Bien sûr, on est obligé. Le formulaire est déjà fait. Toute la partie, toute la partie points, donc récupération des points, etc. Ça, c'est déjà prévu. Donc, tout le côté back-office est déjà ready, quoi. Là, c'est plutôt sur l'aspect marketing slash organisation qu'on est en train de discuter et voir des choses. Et comme on veut faire rentrer plus de parties, bah c'est une négociation, faut qu'on en parle, etc. Voilà, truc bidule, quoi. Merci évidemment au 15-6-1-2-3 pour les 2 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre. Merci pour tes 2 mois de frais de scolarité, vous êtes des putains de monstres. Voilà, quoi. Le ping, ça va pas gêner ? Ouais, si, mais bon, après, ça dépend, tu vois. Ça, c'est pareil. Ça, il y a un truc dedans, pour le coup. Ça, il y a... Dans le formulaire, on parle de bonne connexion et on parle de ping, quoi.
honnêtement, j'entends par bonne connexion sur un jeu comme Rainbow Six, enfin c'est compliqué machin, mais bon, faut pas que ça dépasse les 70-80 quoi, tu vois. Une bonne connexion, c'est max 32 ping, voilà. Max 32 ping, on est dans une considération de très bonne connexion quoi, voilà. Après, si ça dépasse pas les 80, on est dans du bon quoi, voilà quoi, c'est normal quoi. Si c'est au-dessus, en revanche, ouais non, là c'est un peu la merde quoi. C'est un peu la merde. Il y aura trop de différences si un jour on voulait faire des LAN ou ce genre de truc-là. Voilà quoi. Déjà qu'il y a une grosse différence entre Rainbow Six en LAN et Rainbow Six sur Internet. Mais forcément, cette différence, elle est moindre si t'as une bonne connexion quoi. Une personne qui a 9 de ping aura forcément des sensations quand il va en LAN qui sont plus avec ce qu'il connaît qu'une personne qu'en a 80 ou 110 quoi. Voilà quoi. Tout le monde peut tenter de participer. Bah ouais, il y aura des prérequis qui sont mis. On peut en parler si vous voulez. Merci absolument MK Zako pour les 3 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Un monstre. Salut, ça va ? Ça va très bien, mon poulet. Alors, attends. Pour le moment, que je regarde. dans les prérequis, pas de limite d'âge. Joueur PC uniquement. Il y en aura peut-être d'autres, hein. Mais dans les grandes lignes. Connexion bonne et stable, comme quoi on l'a marqué. Setup satisfaisant. Idéalement 144 FPS et 144 Hz minimum. Hein. J'ai dit satisfaisant. Il y a marqué satisfaisant. Une personne qui envoie du lourd avec 160 Hz et qui nous le dit pas, c'est tout bénef pour lui, quoi. Alors là, il y a un teaser. Mais le cinquième prérequis, c'est une webcam. Voilà. Motivation, objectif, disponibilité. On parle de 3 heures par jour en semaine et plus les week-ends. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est pas déjà rien que ça. C'est quand même assez... ça va limiter pas mal de personnes, quoi. On parle de 3 jours, 3 heures par jour, quoi. Ce qui veut pas dire que on va utiliser ce créneau horaire, bien évidemment. Ça veut pas dire que tous les jours, 3 heures par jour, il y aura un truc. Mais on ne peut pas se permettre de commencer à anticiper des plannings et à commencer à dire « Il faudra que vous soyez au moins disponible le lundi, le mercredi et le vendredi de 19h à 21h ». Non, on va faire large. On estime que si les personnes de facto sont prêtes, ont 3 heures par jour de disponible, alors dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on aura moins de problématiques quand on voudra faire un planning, ce qui est logique. Et puis ça montre aussi une certaine... disponibilité slash motivation quoi, hein, voilà quoi. La plupart des joueurs pro à l'heure actuelle, c'est le minimum syndical ça. Alors on n'est pas dans une logique de vouloir faire une équipe pro, mais il faut pouvoir être réactif quoi. Et la plupart du temps, il n'y a pas 36 solutions quoi. Plus les personnes sont disponibles, plus la réactivité est importante, voilà. Connaissance des calls et des maps, bon ça c'est... Ça, c'est un peu bateau pour le coup. Et on mettra, je crois, un niveau assez... Je vais pas dire bas parce que voilà quoi. Mais P3 minimum sur la saison ou la saison précédente. Et ça, il y aura une vérification qui sera faite via trackers. Donc, on a des trackers, etc. Donc, ce sera pas « Oui, mais j'étais à une game du... » Non, pareil. Ou alors « Ouais, mais je suis disponible 2h30 tous les... » Non, c'est pareil. Voilà quoi. Les gars, j'étais en retard, ils parlent de quoi ? Je parle du prochain Yungtis Royal. Je mets entre guillemets pour Yungtis parce que c'est pas sûr encore. Voilà quoi. Je parle du prochain... De la prochaine phase de... Enfin, voilà quoi. je peux pas en dire trop. Ok ? Vous verrez, vous allez kiffer. Normalement, vous allez kiffer. Ça va être un bon concept et ça va être bien cool, honnêtement. Voilà. Wow, P3, c'est vraiment bas. Oui, mais le truc, c'est que... Il faut vous dire qu'en fait... C'est des phases de... C'est des sélections. Ok ? Voilà. Et après, les personnes sont obligées de mettre leur grade. Ok ? Donc, c'est une stratégie d'entonnoir qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en mettant des prérequis à P3 minimum, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à P3 minimum. Ça veut dire qu'à P3 minimum, les personnes peuvent remplir le formulaire. Il va peut-être y avoir, je sais pas moi, je vais dire une connerie, 100, 150 personnes qui vont remplir le formulaire. Si on s'aperçoit qu'on a besoin que de 30 personnes, ou de 40 personnes, ou de 50 personnes, et qu'on arrive à faire en sorte que sur les 50 personnes, on n'ait que du P1. Et les P2, P3, malheureusement, ils passeront pas. C'est obligé. C'est aussi logique comme ça, que ça, quoi. Donc, vous inquiétez pas, sur la partie organisation d'event, on l'a déjà fait voir avec le campus de la Salty Academy, et en particulier le pôle événementiel de la Salty Academy. On vous a déjà montré que
Quand on voulait faire un truc, on le fait de façon carrée. Et voilà quoi. Le Valor Royale s'était très bien passé. Le Unctis Royale s'était très bien passé. L'Asie Hunter Cup s'est très bien passé. Les Salty Duels se sont toujours très bien passés. Voilà quoi. D'un point de vue purement, vraiment objectif pour le coup. Voilà. Donc, je sais que ça passera bien. Voilà quoi. Mais il faut voilà quoi. Là, c'est un document, c'est un cahier des charges qui fait une petite dizaine de pages. Donc voilà. Donc tout le reste c'est la partie communication, je peux pas vous en parler, l'organisation je peux pas vous en parler, mais c'est dans les grandes lignes, c'est la même chose que Unctis Royale de l'année dernière, hein. C'est X nombre de joueurs sont amenés à jouer ensemble de façon random. Il y aura pas forcément comme l'année dernière une volonté de mettre un support, un machin, un in-game leader, non les gens se démerdent, voilà. On verra s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément in-game leader, mais qui peuvent prendre le lead, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Et on verra les personnalités qui se démarquent. Voilà. X nombre de joueurs jouent en 5v5, X nombre de fois, sur X nombre de playday. Hein, voilà. Ça va durer à peu près un mois, je pense. Et à la fin, il en restera X. Voilà, vous comprenez. Il y a pas mal de... Voilà, quoi. L'entonnoir est défini, l'équation est bonne, on la connaît, hein, voilà. Mais le X du début, hein, ça on l'a pas encore, voilà. Le nombre de joueurs du début, on l'a pas, voilà. Et même l'entonnoir de fin, on l'a pas non plus. Est-ce que ce sera 5 joueurs gardés, 10 joueurs gardés? Ça dépendra de notre futur partenaire. Voilà, j'en dis déjà trop. Lancement des games, etc. Ça, je vais même pas en parler pour le coup, tu vois, c'est les trucs... Bon, voilà, c'est en cours. C'est le pôle événementiel, c'est Skids et Tripo et Loubouf aussi qui s'occupent de ça et qui avaient très, très bien géré à chaque fois les événements de la Salty Academy. Donc, ce sera cool en tout cas. Et j'ai hâte. J'ai hâte que ça commence. Ça, on s'en fiche, je peux pas en parler. Et ça, je peux pas en parler non plus. Ça arrive. Ok. Ok. Ok, désolé. Alors, du coup, voilà, ça arrivera. Merci infiniment, Elfic, 3 mois de frais de scolarité. Merci MK Zako pour les 3 mois de frais de scolarité. Merci les poulets, vous êtes des monstres, vraiment. Des putains de monstres. Tu joues encore à EFT? Pas en ce moment, c'est vrai. Mais en même temps, si tu regardes bien sur EFT en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent qu'il n'y ait pas le wipe. En fait, c'est pas vraiment qu'ils se plaignent qu'il n'y ait pas de wipe. Le vrai problème, c'est qu'ils se plaignent qu'il n'y a personne dans les raids. Ils partent en raid et il y a son père, quoi. Et voilà, quoi. Et ça, c'est souvent pareil, quoi. En fait, il y a un effet de mode pas un effet de mode. Il y a une saisonnalité, en fait, sur Tarkov. Et la plupart du temps, le nombre de personnes que tu peux rencontrer en raid est tributaire du nombre de joueurs total que tu peux avoir forcément sur le jeu. Et ce nombre-là est souvent tributaire de la popularité du jeu à un instant T, en fait. Et souvent, bah, tu le vois, hein, tu vois les drops, tu vois les streamers, etc. Je sais pas, tu regardes par exemple un Landmark. Quand il fait 6K viewers ou quand il en fait 18K, voilà quoi. Tu peux voir la popularité du jeu, quoi. Et donc, tu peux imaginer le remplissage des raids. Et en ce moment, il n'y a personne, apparemment. Voilà, tout le monde s'en plaint. Donc, tout le monde attend le wipe. Mais je pense pas que le wipe... Enfin, c'est juste un pansement, quoi, sur la plaie, quoi. Voilà. C'est aussi surtout qu'il n'y a pas de contenu et les raids se ressemblent. Bah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Là, il va y avoir la nouvelle... Elle est sortie, la nouvelle facto, ou pas? Ils l'ont sortie? Je sais même pas. Je sais même pas si elle est sortie déjà, la nouvelle facto. Elle a été présentée? Nope. Ouais, voilà. Donc, il y a la nouvelle facto qui doit sortir. Enfin, la nouvelle facto. Ouais, le rework de facto qui doit sortir. Il y a aussi... qu'est-ce qui devait sortir? Bah, Street of Tarkov, normalement, à la fin de l'année, j'imagine. Mais je pense que tu vas voir, ça va être vers... Tout va s'activer vers la fin de l'année où, comme d'habitude, ils vont faire une grosse mage avec un nouveau contenu qui sera peut-être Street of Tarkov. Ils en profiteront pour faire un wipe. Wipe égale hype. Les gens vont revenir dessus. Ils vont faire des drops et des Twitch drops. Et là, il va y avoir plein de monde, plein de gens, truc. On en reparlera, hein, mais ce sera comme ça. Et ça arrivera après l'été, normalement. Voilà, quoi. Six, le tatou. J'ai pas suivi le premier Unctis, mais de ce que je comprends, l'objectif... Allez, j'arrive, vous inquiétez pas. Est d'offrir une expérience de jeu dans une ambiance compétitive pour tous les joueurs et d'offrir une opportunité de se faire remarquer pour les meilleurs. C'est bien ça? Oui. Y a-t-il également une partie pour des managers ou des coachs amateurs qui chercheraient à se faire une expérience? Oui.
Ouais, cette fois-ci, je pense que dans l'Unitis Royal, on n'intégrera pas... Alors, c'est encore à mettre avec des pincettes, mais on n'intégrera pas que le recrutement, si je puis dire, des joueurs. L'idée, c'est aussi d'aller de faire d'une pierre beaucoup de coups, en fait. Donc, peut-être qu'on fera un truc pour justement trouver un manager pour cette équipe, trouver un coach pour cette équipe. Bon, ce sera mon boulot, en fait. Voilà. Ce genre de truc-là, en fait. Voilà. Le coach, par exemple, l'année dernière, c'était pas mon rôle, quoi. Voilà, j'avais pas forcément envie de coacher. Et puis, y avait deux équipes. Et puis, on s'était dit, tiens, non, ce sera sympa de faire venir d'autres personnes. Mais là, j'ai envie de le faire, en fait. J'ai envie de voir un peu ce que ça peut donner. Ça peut être drôle. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient sortir une map phare avant Street of Tarkov. Ah ouais, elle est tout en bas à droite, phare. Ouais, je crois, ouais. Je vois, ouais. Lighthouse. Mm-hmm. À côté de Shoreline. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pareil, quoi. Donc pour Yungtis, oui, la réponse elle est oui, on pourra avoir des managers et tout, c'est sûr, on va faire à côté, on va faire des phases de recrutement sur le manager, de manager, est-ce qu'on fera des trucs genre des entretiens en live ou ce genre de trucs là, c'est possible, voilà, pour qu'on donne une visibilité à tout le monde sur l'évolution de l'équipe et la construction de l'équipe, voir un peu comment ça marche et voilà quoi, quelles sont les questions qui peuvent être posées pour trouver un bon manager, ce genre de choses là, etc, etc quoi. Hello Six... ah oui, le tatou. Ok. C'est comment ça va, la date c'est la date. Non, la date, on ne l'a pas encore. Je pense qu'on commencera en juin, ok. Je pense qu'on commencera en juin, voilà. Normalement, on voulait le faire début juin, là. Quasiment la semaine prochaine, en fait. Mais il y a des trucs au début... quand ils ont terminé de faire le cahier des charges, je me suis dit, putain, non, j'ai envie qu'on fasse un truc plus gros, en fait. Voilà, comme d'hab, quoi. J'aime pas le fait de juste refaire les trucs qu'on a déjà fait l'an passé, quoi, tu vois. Ou les versions passées, en fait. À chaque fois, par exemple, je sais pas, si on prend le cas des Salty Duel, à chaque fois, les Salty Duel étaient plus gros que la version d'avant, quoi, en fait. Toujours. Toujours. Il y avait toujours un truc nouveau, etc. Salty Duel, Salty Duo, les Open Series pour faire intégrer des streamers plus petits, etc., etc. Il y avait toujours un truc différent, quoi. Et là, j'avais pas envie de refaire comme le Yungtis Royal de la première fois. J'avais envie de faire un truc plus différent, tout simplement. Enfin, c'est pas drôle autrement. Moi, ça m'excite pas quand on fait des projets et que c'est toujours pareil, quoi. Voilà, quoi. Compliqué, je mets avec les examens. Ouais, non, mais ça, c'est possible, etc. Mais ça, je peux pas tout prendre en considération, quoi. Compliqué, je mets avec les examens, là, avec la conjoncture. Ça se trouve, il y aura une tornade qui va arriver dans le sud de la France. Compliqué, je peux pas. Voilà. C'est con, mais c'est comme ça, quoi. Il y a un moment, faut lancer le truc. Ce sera toujours compliqué. Il y a toujours. C'est toujours pareil. Hein. Dans la vie, il y a beaucoup plus d'excuses qui nous empêchent de faire un pas en avant. Que d'excuses qui nous empêchent de ne pas le faire. Ça va rien dire, mais bon, vous avez compris. Des excuses, quoi. Voilà, guys. Voilà. Magnifique, vraiment propre. Ah, ça me plaise. Ah, c'était pour les 3000, hein. C'était pour vous remercier, hein, de faire en sorte que le campus de la Salty Academy soit toujours là, quoi. Hein. Un peu normal. Ah, ça fait plaisir. Faudrait que je prenne une photo, d'ailleurs. Faudrait que je mette une toffe et faudrait que je la mette sur Instagram. Je le ferai, quoi. Voilà, quoi. C'est ce qu'il y a un peu de retard sur le live d'hier, mais j'ai vu le tatou, il est juste magnifique. Merci. Ouais, puis c'est bon. Puis moi, je cicatrise facilement, quoi. Donc, il est déjà... Il y aura peut-être des petites retouches à faire, mais je crois même pas, au final. Voilà, quoi. Non, il est... Il est parfait, quoi. Il a dégorgé quasiment toute la nuit dans mes draps en satin. Bien évidemment, j'en ai foutu partout. Mais bon, voilà, quoi. Merci évidemment, Zagreb, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Welcome, bro. Pam. Alors, juste un truc. Je vais juste faire une petite impression écran de ça, s'il vous plaît. Ok. Et j'arrive et je suis à vous. Et après, on va aller jouer. Parce qu'à 18h30, il faut que je cut. Je pars du campus à 18h30. Alright. Plein de trucs à faire. Plein de taf, plein de choses en ce moment. Alright. Merci infiniment, Hugo, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Merci infiniment. Un monstre. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche énormément.
Oh mon, t'es un putain de monstre. Ça gêne pas avec le frottement sur le bureau quand tu joues? Bah écoute, on verra. J'y ai pas pensé. Merde. J'y avais pas pensé. Oh putain, ça va douiller. Merci évidemment au Tipeee d'avoir offert la possibilité à NACFU de payer depuis 15 mois ses droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre. Je l'aime ce type. Tu mets des manchettes autrement. J'ai pas de manchettes. Bon bah vidéo react. Mais merde, j'y ai pas pensé du tout. Je peux pas en fait. Forcément, je l'ai mis sur l'endroit où je clutch. Bah mets une serviette sinon. Mets une manchette. Non, j'arrive. Je passe à l'infirmerie. Je sais ce que je vais mettre. Je vais filmer. J'arrive. Merci Soul Warren, t'es un monstre pour les 2 mois. I'm here. Ok. Ouais, bah, je suis parti chercher l'infirmerie, quoi. Ok. Ok. On va faire ça. La manchette du pauvre. Ok. Ok. Ouais, que veux-tu que je fasse? J'avais pas pensé, putain, j'avais pas pensé que ça allait m'empêcher de clutcher, cette merde. On va bien cellophaner tout ça, là. Bam. Oui. Aïe. Ça pique un peu, quand même. Allez. Voilà, un bon gros jambon, mon gars. C'est bon, on peut clutcher, maintenant. Ah, c'est bon. Oh, ça glisse tout seul. Putain, je vais refaire plus souvent ça. Merci Maxou Doudou pour les 10 mois de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Salut Six, alors dans la nouvelle saison. Bon, on va passer dessus justement. Ouais, je vais aller sur le TTS un peu pour une dernière journée là, je pense. Le manchon de Wish, mon gars. Le manchon du pauvre. D'un autre côté. D'un autre côté, c'est pas un pauvre à qui on va apprendre à faire la manche. Je vous laisse méditer là-dessus. Elle est gratos. Ok. Je change de titre. Beauf, ça n'a rien à voir avec beauf là. Train de la hype, merci les poulets, vous êtes des monstres. Bah ouais, c'est la manche du pauvre. C'est un manchon ou une manchette? Non, un manchon, c'est un bout de viande, non? Clutch.
Difficile de clutch. Ok. Ouais, j'ai changé le titre. Merde. Tom Clancy, Rainbow Six, machin. Ah, c'est ça, ouais. Rainbow Six Siege. Ok. C'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Non, franchement, c'est bon. J'ai mis de l'huile de coco. Oh mon gars, j'ai l'impression d'être un poulet, quoi. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ouais, là. Ubisoft. Let's go, man. Let's go. On lance. Yo, tout le monde. Yo. Oryx. Vous faites chier avec vos pseudos. Il y a trop de consoles, là. Oxrise. Voilà, c'est bon. Un bout de saucisson. La bonne paupiette, mon gars. Bah ouais, mais bon. Ouais, mais ça marche. Ouais, mais bon, voilà, quoi. D'ailleurs, le campus est fermé demain. Demain, je vais à la plage. Ouais, je vais devoir faire pareil. Ouais, la bonne idée, hein. La bonne grosse idée de... ok. Désolé. Ok, alors attendez. Mais qu'est-ce qui me fait verification code? Non! Google, non, là! Tu me casses les couilles, sérieux! Oh, Ubisoft Connect, putain, mais qu'est-ce que c'est relou! Pourquoi est-ce que ça se déconnecte, quoi? This is a trusted device. Ok, bon, bah voilà, il est trusted, mon device. Donc, bah, tu le gardes, en fait. Non? Ça vous le fait, vous aussi, de vous redemander la vérification de two time, là? Non, c'est Google chez eux. Ah, c'est bon, je l'ai au moins sur celui-là. Je pense que c'est bon, j'espère. Parce que j'ai de la flemme autrement. Enfin, je sais que c'est bien, je sais que c'est pour notre sécurité et tout. Mais bon, voilà quoi, ça fait yesh. Oh, il y a une mise à jour sur le TTS. Il y a une mise à jour téléchargée à 58 mégasecondes, 69, 80, 80. Vas-y, tu peux débattre. 92 mégasecondes, 101 mégasecondes. 4... Ah, 100, hein, c'est fini. Ok. Alright, ça c'est bon, on la lance. Tac, téléchargé. Ouais, hier il me l'a fait. Ouais, ça me l'a fait. Ouais, je sais pas. C'est peut-être dès qu'il y a une mise à jour. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, peut-être que ça. Ouais, ça a du sens. Ça a un peu de sens. Voilà quoi. Bonjour, directeur. Monsieur le proviseur. ça me le fait à chaque fois que je vais sur les TTS. Ah ouais? Non, c'est là. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé quoi. Mais bon, voilà. Bon bref, on va jouer un petit peu sur le TTS. J'ai grave envie parce que je suis grave à la bourre sur Favela en fait quoi. Hein. Je suis vraiment pas du tout au point encore, donc voilà quoi. Alors, ils ont enlevé les drones après la mort, ouais. Ils ont enlevé le post-mortem, effectivement. Le truc qui se passe, c'est que sur le post-mortem, en fait, moi j'étais en mode « Nice, ils ont écouté la commu, ok ?» Voilà. Mais en fait, apparemment, c'était prévu comme ça, quoi. C'était prévu qu'ils faisaient les tests que du 25 au 28, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, ne nous réjouissons pas trop vite, quoi. Mais bon, je pense que c'est important. Moi, j'en ai rajouté une couche, hein, en disant non, mais c'est bien sur les casus. L'idée n'est pas mauvaise, franchement, quoi. Mais pas en enquête, quoi. C'est mort. Pas en enquête, pas en non-enquête. Voilà, quoi. Hein, c'est aussi simple que ça, quoi, en fait. Ouais, la mâche, c'est parce qu'ils enlèvent le stop que tu peux utiliser après la mort. Ouais, donc la mâche, c'était pour le gameplay post-mortem. Ok, d'accord. Merci évidemment pour le train de la hype. Vous avez démonté les poulets. Et les poulettes. Il y aura pas du tout? Quoi? Non, là, ils l'ont enlevé. Mais il y aura pas du tout? Non, mais... Je pense que eux, ils ont envie de le faire et qu'ils vont le pousser. Hein. C'est sûr, quoi. Faudrait vraiment, vraiment un gros backfire de la part de la commu pour qu'ils se disent « Ok. » Comme Lyon, quoi. Comme Lyon. Malgré le fait que les personnes leur disent non, ils vont quand même le pousser, je pense. Voilà quoi. Un avis sur le nouvel OP? Il est cool. Elle est cool en l'occurrence. Non, elle est bien, hein, franchement. Tu penses que t'as toujours le même niveau que lorsque t'étais champion du monde? Bah non, t'as un meilleur niveau. C'est ouf ou quoi? Mon niveau de maintenant, il est 20 fois supérieur à quand j'ai gagné la Pro League. Merci infiniment, Maflo95 pour les 17 mois de frais scolaires TPO au sein du campus de la Salty Academy. Merci infiniment, poulet.
En revanche, la différence, c'est que mon niveau comparé aux autres joueurs de l'époque, peut-être que maintenant, il a moins augmenté que les joueurs qui sont restés dans la compétition. Maintenant, voilà. Ouais, ça, c'est... voilà quoi. Mais normal. Si là, à l'heure actuelle, mon niveau, là, comme je connais le jeu, etc., je retourne dans le passé, il n'y a pas que Bolo qui met des clutches. Hein. Moi, je les remets aussi. Hein. Voilà quoi. Non, c'est normal. Mais bien sûr que oui, que ton niveau, il évolue. Bien sûr que oui, il ne va pas régresser. Hein. On parle pas d'aptitude physique. Comment est-ce qu'il pourrait régresser, honnêtement? Comment est-ce qu'il pourrait régresser ton niveau, en fait? Comment est-ce que tu pourrais devenir moins bon? À partir du moment où c'est pas une dégradation physique, si je puis dire, quoi. Voilà. Les connaissances viennent amplement compenser. À l'époque, il y avait très très peu de skill pur. C'était beaucoup de tactique. Voilà, quoi. Beaucoup de placement, etc. Les réflexes en moins avec l'âge. Mais ça, c'est du bullshit, ça. Ça, c'est du bullshit, putain. Ce côté réflexe, etc., c'est une utilisation du mot qui est vraiment ridicule, quoi. Ah, je sais pas. Vous vous rendez compte de l'âge de certains joueurs de foot à l'heure actuelle qui ont vraiment, avec leurs compétences physiques, pourtant? Ibrahimovic, par exemple. On en parle? Vous voulez regarder son âge ou pas? Sérieusement? Ouais, lui, en revanche, on peut parler de réflexe et d'importance des réflexes, tu vois ce que je veux dire? Ben non, franchement, non. Il y a d'autres choses qui viennent compenser derrière. Voilà. Surtout sur Rainbow Six. Voilà. Surtout sur Rainbow Six, bien sûr. C'est juste que le niveau général a beaucoup augmenté depuis le début. Bah bien sûr, bien sûr. Tout le monde. Vous, d'ailleurs, avec votre niveau P1, P2, P3, vous êtes aussi meilleur que je l'étais quand j'ai gagné la Pro League. C'est logique, en fait. Vous, avec votre niveau actuel, la ranked, un match de ranked à l'heure actuelle est plus difficile que la Pro League que j'ai gagnée. Mais l'important, c'est de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà. C'est toujours... C'est normal. C'est logique. 38 piges et c'est toujours un monstre, Ibra. Et on parle pourtant d'un... On parle du football, hein. On parle pas des échecs, ok? On parle pas de... Il est devenu coach. Non. Il est toujours là. Il est toujours au foot. Hein? Il a 30... Non, je crois qu'il a 38. Roger Federer, il a quel âge? Il s'entraînait ce matin. Qui c'est qui a dit piqué? Bon, après, c'est... Enfin, faut plus avoir de réflexes, je pense, pour un gardien de but que pour un attaquant, pour le coup. Voilà quoi. Mais Piqué, c'est un gardien de but. Ah non, c'est un défenseur. C'est le défenseur, autant pour moi. J'ai dit de la merde. Thauvin, le boss aussi. Thauvin, je connais pas. On était en train de parler de l'âge. Voilà quoi. Buffon aussi. Ouais, Buffon, c'était n'importe quoi. Luigi Buffon, quoi. S'il y a bien une personne à qui on va demander, d'avoir des réflexes, c'est bien un gardien de but. Quand tu parles réflexe, tu penses pas défenseur, machin, truc, bidule. Bien sûr qu'il en faut, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il faut un truc, quoi. Mais gardien de but, quoi. C'est une fraction de seconde pour aller mettre un... C'est eux qui ont besoin de réflexes. Luigi Buffon, quoi. Donc non, ce truc des réflexes et tout, c'est juste pour que les gamins de 20 piges puissent se masturber en se disant « Waouh, je suis plus jeune, donc c'est normal que je sois meilleur. » Mais non, mec. Non, en fait. Non. Non, j'y crois pas du tout, en fait. Non. Voilà. Siscat, tu penses que Rainbow Six, c'est fini? Oui, et j'adore jouer sur des jeux morts, en fait. T'as d'autres questions à la con comme ça, It's Wayne's ou quoi? Ça me fait trop plaisir. Bah là, en fait, on fait une petite... petit rétro aujourd'hui. J'ai lancé une ROM sur Super NES, les mecs. Ah non, il est pas fini, que tu que je te dise. Bon, à part s'il y a plus de 10 minutes de waiting time pour jouer sur Favela en TTS. Mais bon, voilà, quoi. C'est surtout la capacité physique qui joue en sport, tandis qu'en e-sport, notamment R6, c'est énormément de tactique et un peu de réflexe. Bah, moi, maintenant que ça l'était le cas par le passé. Avant, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de tactique, quoi. Voilà, c'était principalement ça, quoi. En tout cas, c'est ce qui nous a fait nous devenir, je pense, champions, quoi. Ce qui n'enlève rien à la qualité des joueurs qui étaient avec moi, quoi. Il y avait quand même Renchi à l'époque, hein. Il y avait quand même Falco, il y avait Yogurt, il y avait Spoken, voilà, quoi. Des personnes qui ont montré, quoi. Mais c'était surtout tactique, je pense. Voilà, quoi. Je l'ai pas encore vu fini, mais je l'ai vu, je l'ai mis tout à l'heure, tatouage, pour arriver quand il y a la notification, bon, notre trou de balle. Il va être sur Instagram, je vais pas le montrer toutes les deux minutes. Surtout que je l'ai saucissonné. Pour pouvoir jouer. Oh, trans, ça frotte sur le tapis. Quelqu'un m'a dit, bah, tu vas pouvoir jouer. Et voilà, quoi. On s'est aperçu que, bah, non, en fait, je pourrais pas.
C'était full skill alors que maintenant c'est full stuff. What? Avant c'était full tactique, full stuff, full placement. Maintenant c'est plus de skill. Mais Rainbow Six sera jamais un jeu skill based. Hein. Rainbow Six sera jamais un jeu skill based en fait. Voilà quoi. Ça devient de plus en plus skillé, ouais bien sûr. Mais de là à venir jouer dans la même cour qu'un code, que de venir jouer dans la même cour qu'un CS, qu'un Valo, ou encore pire, des jeux comme du Shootmania, du Quake, qui eux sont quasiment 90% skill-based, bah non en fait, bah non. Non, non. Apex, ouais, bien sûr, ouais. Beaucoup plus skillé pour le coup. Bien sûr. Mais plus tu as d'utilitaires, plus tu as d'utilitaires, etc., plus tu as d'options, de trucs, etc., voilà. Bah, plus c'est un jeu... Enfin, moi, le jeu, comment dire, est orienté skill, en fait. Bah, il suffit de voir Skyros. Bon, c'est du Call of, mais il commence à prendre de l'âge et il est toujours aussi bon. Je pense que lui, mettre à fond sur Rainbow, il serait vraiment bon. Oui, bon, après, Call of et Rainbow, c'est quand même deux jeux différents, quoi. C'est pas parce qu'un... C'est... Voilà, quoi. C'est pas parce qu'un joueur est bon au handball qu'il va être bon au tennis, quoi. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Bon, après, c'est un jeu de foot, donc... Bon, la comparaison est pas très très bonne, mais bon... voilà, quoi. Tu penses qu'il y aura un cross-platform possible, honnêtement. Bon, visiblement, il n'y a plus personne sur les TTS, c'est ça l'idée? Là, je suis sur les serveurs EU, en plus, hein. C'est dingue. C'est ouf, hein. Au bout de 3 jours, c'est bon, il n'y a plus personne, quoi. Du coup, le nouveau perso, il tue vraiment Doc ou pas? Il tue Doc, le nouveau perso? Non, je sais pas. Je sais pas, l'utilisation n'est pas la même, quoi. Gotha sur R6, on a vite vu. Bon, après, il s'est jamais donné les moyens de réussir sur R6, Gotha. Ça le faisait chier, le jeu. Gotha sur R6, c'est comme moi sur code, quoi. Le jeu me fait chier, donc t'as pas envie d'être bon. Tu vas pas être bon sur un jeu qui te fait chier, quoi. Et je peux très bien comprendre que ça le fasse chier. Attends, mec, il est habitué à code. C'est hyper rapide et tout, faut sauter dans tous les sens, faut avoir une fluidité dans les mouvements et tout machin, quoi. Là, c'est un jeu où... hyper frustrant. Hyper frustrant. Voilà, quoi. C'est pas un jeu pour lui, c'est pas un jeu qui est fait pour lui. Voilà. Rares sont les personnes qui peuvent faire du code, du CS, du Rainbow Six et toujours être bon et toujours kiffer, quoi. Voilà, quoi. C'est rare. You found a bomb. Make your way to its location and defuse. Bon, je me suis pas chauffé, j'ai pas joué hier, du coup avec le tatouage, j'espère que je vais pouvoir jouer. Friendly, last operator standing. Ok. Ah, juste... faut que tu vois avec le support Oxfreeze. Ou alors faut attendre 2 heures de toute façon quand tu viens de te sub. Le One aimait beaucoup Rainbow Six, mais il a ça pour strip parce qu'il avait très peu de viewers. Ah ouais? Ouais, bah ça s'explique, hein. C'est pareil, hein. Le One sur R6, c'est moins sur code, quoi. Forcément, ça fait moins de viewers. En France, on colle des étiquettes. Rares sont les streamers qui peuvent se dire « Je vais sur n'importe quel jeu, j'aurai du monde. » Voilà, quoi. C'est le jeu. C'est le jeu. Bon, du coup, je sais pas comment... Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va pas me faire mal. Normalement non, avec le petit cellophane là, ça devrait le faire, ça va glisser. Merci Jokes pour les 3 mois, vous êtes des monstres. Merci Maflo95 pour les 17 mois déjà, c'est vraiment monstrueux pour le coup. Alright. Siskat, j'ai le 6ème. Quoi? Le 6ème? J'ai rien compris. Le 6ème? C'est quoi ça? C'est le bras du clavier ou de la souris? Malheureusement, de la souris, poulet. Si c'était le bras du clavier, je l'aurais même pas. Voilà quoi. Je toucherais même pas. Je ne toucherais même pas si c'était le bras du clavier. Enfin, je veux dire, je l'aurais pas mis sous cellophane quoi. J'aimais bien le petit pic ici, là, avant. J'ai toujours du père hein, sur cette carte. Ah ouais, c'est vrai, celle-là. 10 seconds.
là on peut aller jouer là au pire. Donc plutôt un spot là. Je vais essayer de la jouer Sirius un peu cette map. Parce que je pense qu'elle va terminer en ranked. Franchement. Après j'ai pas joué depuis 2 jours donc ça va pas être ouf au niveau des cannes. J'espère juste ne pas me faire spawn kill, sérieux. Il a jump ici, mais il a perdu des HP. Ouais, il a perdu des HP. Ça, c'est un peu relou, ces endroits où on peut pas trop jump au final, ici. Là, je vais voir un truc. Bon, ouais, je pense qu'ils y ont pensé. Ouais, on est d'accord. C'est genre 0 ligne. Hein. Ils ont pas laissé une vieille ligne. Hop. Planté là. Ouais. Planting. Bon, je fais beaucoup de mouvements de merde parce que je me suis pas chauffé. Ah, oh putain, je viens de me rouler sur le yep avec la putain de chaise. Ah, je... putain, ça merde. Ah, ah, sur le petit doigt de pied. Ah, oh, elle pèse un âne mort, cette chaise, en plus. Ah, ah, putain, attends, ça revient. Ah. Ah non mais sérieusement, merci Shade, t'es un monstre. La map, tu la trouves assez claire. Ouais ouais, merci Jox pour les 3 mois. Ouais ouais, très, très clair ouais. Ouais ouais, franchement elle est bien. Pas de... pas trop de soucis à se faire là-dessus je trouve. Ah non, je me suis vraiment niqué. Secure the area, keep the bombs protected. Pareil, hein, je sais toujours pas où on est, ce qu'on fait. Pas sûr qu'il faille défendre, ne pas défendre ici, parce qu'il n'y a pas de trappe là. Et là, c'est une belle safe zone quand même. Hein. Ici, pff, les mecs dans l'escalier, ils vont pas faire grand chose. Hein. Même en rappel là, ils vont venir travailler là. Ils peuvent rien faire. Ah, quoi qu'en renforçant, tu mets Nibana du coup. Ouais. On pourra la... Non, je sais pas. Je faut vraiment que je me tente des spawn kills. Ça, c'est où ça? Swapping back. Désolé, hein, je fais plein de mouvements inutiles, toujours pour me chauffer.
Your location has been compromised. Op 4 eliminated. Mission successful. Ok. Ça commence à venir quand même. La petite double ligne là. Pas mal ça. Yes, yes. Yo tout le monde. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Regarde, c'est pas beau ça quand il y a que 3 personnes sur le truc. On pourrait presque faire un 3v3, ce serait stylé. J'aimerais bien, dites donc. Oh bah oui, ça serait cool. Non? Ok, let's go, on continue. Tu vas pousser, tu vas laisser pousser la barbiche? Non, non, je vais... Non, je vais peut-être re-raser, tranquille, quoi. De temps en temps, je rase. De temps en temps, je laisse pousser. On se prend pas trop la tête, quoi. J'aime pas trop Fav. Bah moi pour le moment j'aime bien honnêtement. En termes de couleurs, en termes de beaucoup de choses, j'aime bien la nouvelle, j'aime bien la map quoi. J'aime bien le fait que ils se sont dit on refait une map, ok, mais je pense qu'ils ont envie que la map soit jouée, ils ont envie que la map soit compétitive en fait. Voilà quoi. Mais peut-être que l'avantage en reprenant, quand on y pense bien, en prenant une map de casu, du coup l'avantage... C'est que si la map n'est pas compétitive, si la map est un peu, entre guillemets, ratée compétitivement, ils auront toujours le prétexte de pouvoir dire « Bah, normal, c'était une map casu. Voilà, on voulait pas la lancer en Pro League, en gros. » Donc ça, c'est tout bénef, en fait. Ils ont moins de backfire de la part de la communauté. C'est que du bonus, en fait. Si Favela devient Ranked, alors tout le monde est content. Si elle le devient pas, on pense que c'est chiant, mais c'est normal. Merci vivement Hit Shockwave, nouvel étudiant du campus, un monstre. Bienvenue à toi sur le campus de la Salty Academy. Ouais, celui-là, tranquille. Je fume dehors. Je veux pas vous en fumer quand même. Ah, ah god damn it. Elle est belle, Key. La nouvelle agent ? Ouais, elle est vraiment bien réalisée en plus, quoi. J'aime bien, ouais. Et attendez, ça a donné quoi Far Cry 6? On peut le regarder ou pas? Il y a un trailer qui est sorti? J'ai vu ça partir ce matin là. Ça, j'aimerais bien le voir, regarder avec vous, sérieux. J'ai toujours trouvé kiffante perso. Ouais, elle est cool hein. Dak. Plusieurs trailers sortis? Ok. Vas-y, bah attends, le temps qu'on... On va repasser dans le bureau. Non, c'est pas ça qu'on voulait. Non, ça a rien à voir, ça. Ok, on va faire du World of Warship, les amis. Wouh ! Pas du tout. Je me suis gouré de boutons. Ok. Du coup, alors, attendez. Ok. Alors attendez. Le temps que ça trouve, à la limite, parce que là, visiblement, on met 3 heures à trouver des games. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? YouTube. Je vais le mettre derrière WAM. Bam. YouTube, je disais... Oh, mais vas-y, mais pourquoi cette musique de merde? Mais c'est encore les mêmes, là. Ok, alors attendez, les cookies, machin, truc. Ouais, j'ai vraiment envie de voir Far Cry 6, là. J'avais complètement laissé passer les Far Cry, j'espère. Ah, j'ai peur de toute façon d'être déçu, honnêtement, mais bon. Voilà, quoi. Ok. On a quoi, du coup? Far Cry 6, faut aller voir lequel? World War Gameplay? Franchement, ça a pas l'air ouf. Oh bah génial. Il me semble que Bob Lennon a fait du gameplay Far Cry 6 hier sur Twitch. Ah ouais, carrément. C'est le seul... Il va sortir de bientôt alors, du coup. Non? Gameplay overview. Ah vas-y, on va prendre un truc... Voilà, là ça dure 40 minutes. Ah, ça c'est la présentation d'hier, du coup. Ouais, non, il faudrait un récapitulatif en fait. Voilà. C'est le problème des licences avec beaucoup d'opus, c'est rare d'avoir de nouvelles sorties. Ouais, on est d'accord. 7 octobre. Ah, 7 octobre quand même, putain. Pour une présentation, maintenant en fait. Voilà quoi. Vas-y, on va aller voir Julien Chiez. Bonjour à tout. Vas-y, on va aller voir une autre vidéo.
in July last year, we got our first look at Far Cry 6. And that was a dramatic cinematic trailer, some screenshots and basic information about the game. However, today, finally, we get to see some of that juicy gameplay and learn more about what this massive game has in store for us. There's a lot... Oh là là, ok. Alors attends, on va voir. Non mais il y avait quoi 4K Game Movie Land, Ubisoft, là, mais ça c'est les 44 minutes. Vas-y, bah Jack Frag, là. Vas-y. Ah, attends. 28 mai 2020. Ouais, donc c'est bon, c'est sorti hier ça. Screenshots and basic information about the game. However, today, finally, we get to see some of that juicy gameplay and learn more about what this massive game. On peut pas mettre les sous-titres en français pour vous là. To take in here. A big thanks to Ubisoft for sponsoring this one and letting me have a peek at the game early. Now, for those not familiar with Far Cry 6, this time around it's set in the tropical nation of Yara, an island deep in the heart of the Caribbean that's not so loosely based on Cuba. It's quite different from Hope County, though, the fictional region of Montana from Far Cry 5, and it's also a return to a tropical setting. According to Ubisoft, it's their most ambitious world yet, and they want you to feel like you're really exploring an entire country with jungles, beaches, villages, towns, swamps, and of course, the capital city. Okay, bon, c'est pas moche, hein. Built-up urban environment. And you can, of course, expect plenty of wildlife, too. In this game, you play as Danny Rojas, a guerrilla fighter born in the country's capital city of Esperanza. You can customize Danny at the beginning of the game with two different character models available, male or female, both with their own voice acting. And you're part of a revolution against Yara's ruler and dictator, Anton Castillo, played by none other than Giancarlo Esposito, and the cutscenes do look fantastic. Anton has been in power for 50 years and the island has been cut off from the world after a violent revolution. And this plays into the story of the game because the country itself is essentially isolated and frozen in time. And this is shown in the architecture, weaponry, and vehicles around the place. Anton is determined to return Yara back to its former glory, but in doing so, he's clamped down on most of the freedoms of the people, issued brutal social reforms, and anyone who speaks out against him is forced into labor camps. Mm-hmm. One person alone is not a revolution though, although it can be the spark, and you're going to need some friends to help you out. Clara Garcia is the friend of Libertad, a revolutionary group fighting back against Anton Castillo, and she's the main protagonist that you work with. And then her mentor, Juan Cortez, also happens to be a guerrilla master and a master of invention, and he will provide you with all of the weapons that you could ever need. Speaking of which, let's talk about guns. First of all, Far Cry 6 has the biggest roster of weapons in any Far Cry game with 49 military grade weapons. Now, because of the era and the country of Yara being lost in time, you should expect modern weapons, but also older generation guns from the revolution and early wars. LMGs, sniper rifles, assault rifles, you name it. There's also armor piercing rounds that will help kill enemies who are wearing helmets and explosive arrows to go with the compound bow. At the core of the game, though, is a system called Resolver. This applies to other parts of the game too, but it's most apparent when it comes to the weapon. Désolé les amis. On regarde ça plus tard. Enfin, on finit ça plus tard. Get ready to engage. Op 4 found a bomb. You must defend it. Ouais, on va voir. Pour le moment, il y a du gameplay après. T'as déjà joué un Just Cause? Ouais, j'y ai déjà joué, ouais. Ouais. Ah, mais franchement, faut que j'arrête. Je ne suis pas d'une bonne... Voilà, quoi. C'est difficile de me hyper, quoi. J'ai l'impression à chaque fois de revoir... He's on ping? On ping, bros. She's on ping. Non, ping 5. Pushing. Maybe behind the ping. Ou alors au-dessus, j'espère que je vais pas dire de la merde. Nice. Je kifferais tellement un nouveau Crysis. Ouais, moi aussi, hein. Putain. Enfin, pas un nouveau Crysis comme à l'ancienne, quoi. Je t'ai envoyé les... Ok, merci, Block. Pas un nouveau Crysis comme à l'ancienne, quoi. Le Far Cry Crysis 2, là. Oh, quelle purge. Quelle merde. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment de la dope, quoi. C'était nul, en fait. C'était un code like, quoi. À gauche, t'es limité, t'es bloqué par une fougère. Le 1 était tellement ouf. Le 1 a révolutionné le genre, hein. Franchement, oh là là. Le 1, c'était tellement des trucs de malade, quoi. Tu passais ton temps
à faire des trucs tout cons, à tirer dans des arbres en te disant « Putain, regarde la physique, quoi. Ça se coupe à l'endroit où j'ai tiré. » C'était tellement stylé. Tellement stylé. Je comprendrai jamais les gens qui red ping. Bah là, il a red ping exactement au bon moment, en fait. Hein. Tu red ping à un moment où le mec, il va devoir pusher et voilà quoi. Et ça va lui le pusher à faire une erreur. Tu ne red ping pas au moment où il a le temps de... Tu ne red ping pas au moment où il a le temps de casser la cam. Voilà quoi. S'il a pas le temps de casser la cam ou si la cam elle est au-dessus de lui et tout, c'est relou un ping. Il faut le faire de temps en temps le red ping. Et là en l'occurrence il était pas mauvais. Hein. Je sais pas quoi faire, hein. Vraiment les bombes sites encore, j'ai vraiment du mal. Alors là derrière c'est le weed. Enfin weed, il n'en est pas vraiment une. Ouais c'est vrai que t'as là qui est relou. On va les laisser jouer tranquille là. Dans le mien, dans le mien. Mais il a pushé et tout. Personne, tout le monde s'en fout. Il était à côté de nous. Il est sur site le mec. Ok, on s'en fout. Ok. Pourquoi pas. Attends, je vais voir ça. Solver is a real life philosophy from Cuba, and it means to solve, and it's all about using resourcefulness and creativity to get things done. In Yara, because the island has been cut off for decades, people have become used to making do with what they have and making the most of it. This means you're going to be able to make use of some very wild and wacky weapons, scavenging sardine cans, car batteries, old motorcycle engines, car mufflers, you name it. It could be used as a weapon, and it makes for some very different combinations. It's not just the weapons themselves either, it also includes attachments such as scopes. You're going to be able to add suppressors, sights, different magazines, laser pointers, and while some of them will be military grade, they will also be... D'accord, ok, mais bon, à part le fait que le skin des armes ressemble à Rust... Sinon, c'est quoi le... On va voir. Far Cry 6, ouais, on regardait un petit peu ce que ça donnait, ouais. On va voir un petit peu ce que ça donne, Far Cry 6, ouais. Bah, y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, de toute façon, donc voilà, quoi. Ouais. Vous l'attendez, vous, Far Cry 6? Petit sondage. Oui. Nope. Ok. En octobre, ça sort. Ouais, apparemment, le 7 octobre, ouais. Je vais l'acheter de sûr. Non, pas vraiment. Bof, non, pas du tout. Non. En fait, hein, BF6 surtout. Non, ouais, tout le monde attend BF6, t'inquiète. Hein. J'ai pas fini le 5. Ouais, moi je l'ai commencé, au bout de 2 heures ça m'a saoulé. Même pas. Hein. Je pense que j'ai joué 1h30, ça m'a... Oh là là, j'ai encore vu l'intelligence artificielle des bonhommes là. Qu'est-ce que c'est naze quoi. Je sais pas comment le counter le plus facilement possible un mec ici. Je pense que ça doit être par là. Prendre à gauche et ouvrir la ligne. Non, va pas te faire spotted. Laisse-le nous, c'est un free kill. Voilà, c'est ça. Yeah, I will pick that. Insertion in 5 seconds.
Pas de double pic là. Oh, putain, il va comme un toto du coup. C'est quoi avec ma grenade? C'est quoi cette redécale qui me fait la gauche droite gauche dégueulasse là? Je suis vraiment pas chaud, Ange. Pour louper ça. And alongside all of the impressive weaponry, you're gonna have a few gadgets at your disposal. Throwing knives will be great for silent and stealthy kills. EMP grenades are brilliant at taking out cameras and alarms. And of course, baseballs for nothing other than hitting enemies in the head to distract them before you take them down. You can also customize all of your gear, and perks are tied directly to the gear this time. You can change your headgear, chest, hands, legs, feet. By changing up different pieces of gear, you'll find ways to complement your playstyle. For example, marksman goggles will improve headshot damage, being incredibly useful if you want to snipe at a long distance or you're accurate. And vest pants and shoes can give you stability, and gloves can improve accuracy with throwing knives. There's a lot of customization in this game. You also get something called Supremo backpacks, something new to the series. These are very much in line. Faudrait un Far Cry avec l'IA de Red Dead Redemption. C'est bien, l'IA elle est bonne dans Red Dead Redemption. Is an insane looking artillery strike, just sitting there waiting on your back. These can be really useful if you've sounded an alarm or you're in trouble. They can then blow up any reinforcement at range, and there are others that you can choose from too, all having unique attacks. Now, artillery backpacks are cool and all, but do you know what would be really cool? A pet crocodile called Guapo that can attack people for you. Thankfully, you're in luck, because that's exactly what you're getting. Fangs for Hire is back in Far Cry 6, but this time they're called Amigos for Hire. You may have already seen the little wiener dog in a wheelchair called Chorizo. He's one of the Amigos that you can call on, but Guapo is a very different ally. As you can imagine, he's great in the water and really useful in swampy areas of the map. And well, it's just funny, insane, hilarious setting a crocodile on an unsuspecting enemy. So you've got your guns, you've got your pet crocodile, but you're gonna need some wheels. In Far Cry 6, you can travel by land, sea, or air, although air could be a bit more tricky to begin with, and I'll explain why in a minute. In Far Cry 6, players will now have their very own ride, and it'll be customizable inside and out, and you can have it delivered pretty much anywhere around the world. The Resolver theme carries across to the vehicles as well, so expect turrets, plows, countermeasures, and plenty of other customization options for your wheels, and there are horses too, if you want to be old school. Getting around the world isn't going to be entirely straightforward though. Anton has the country under a very strict ruling, and the capital city of Esperanza is under martial law. Speaking of which, this capital city is a huge sprawling urban environment, something quite different. Le croco, il est dégueulasse, hein. Le croco, il vient de 2010. Oh, c'est moche. Really interesting to see how well you can traverse through the city and the rest of the world. The roads themselves are controlled by checkpoints, and Anton has flat cannons controlling the air. These play a part of the story, and you are able to take control of the checkpoints too, fighting your way through to overrun them. And this will make traveling by road easier. And yes, destroy too, fighting your way through to overrun them. And this will make traveling by road. Ah oui, ils ont repris la hitbox de Rainbow Six. Road easier. And yes, destroying the flat cannons one by one will enable you to fly uncontested. They are in military areas all over the island though, so it could take some work. Outposts are back too, called FND bases. The military has just taken over everything here. Schools, museums, TV stations, farms. There's a ton of locations that used to belong to citizens of Yara, and you can fight through them, capture them. Okay, et qu'est-ce qu'il fait lui? Là pendant 10 minutes là. To belong to citizens of Yara, and you can fight through them, capture them all, and try to return them
to the people. This isn't the first revolution here, though. There was one back in 1917, and thanks to that, there is a sprawling network of hidden paths that Libertad and yourself can use to get around the country. Underground locations, hidden jungle routes, all can be used if you want to get around and avoid trouble. They can also get you new gear and intel. But if you do want to risk it in plain sight, Far Cry 6 has a new feature that lets players holster their weapons, and this lets you interact in the world without being pestered by soldiers constantly. Get too close though, or enter a restricted area, and you're going to be in trouble. So wrapping things up today, it looks like Far Cry 6 is shaping up to be a really fun experience. The world itself is incredibly detailed and varied, and it seems that there's a ton of customization in the game from the guns, the gear, and the vehicles to really allow you to have some fun and epic moments. As soon as I can get that crocodile though, Guapo, I think that's all I might do. And while the game is telling a pretty serious, dark story, it will be allowing you to have fun along the way. And that's all, guys. Thank you so much for watching. Do let me know your thoughts on Far Cry 6 down in the comments below. What are you feeling so far now we've seen some gameplay and learned 6 down in the comments below? What are you feeling? Et pourquoi pas? Ah oui? Et pourquoi pas? C'est un bonnet. C'est un cosplayer, le mec. Ah, le gars, il est soudeur, en fait. Il avait rien demandé à personne, putain. Ok. Ok, donc un lance-CD laser. Ok. Fiu-fiu. Subscribe for more and I'll see you in the next one. Gameplay, hein? C'est ça ou pas? Come visit Tropical Yara, an island filled with beautiful flora, stunning vistas, friendly locals, and of course, interesting wildlife. In this slice of Far Cry 6 gameplay, we get to see a little bit of what we can expect when the game releases later in 2021. Highlights, of course, being good wee pals of the scaly and furry variety. Oh, for la more la. Of Far Cry 6, make sure to like the video and subscribe. C'est la même chose, non? Ouais, d'accord, ok, c'est la même chose. C'est... Ah non, il y a un peu de trucs... différents. Non, ça on l'a vu aussi. Ok. Oh, le crocodile gonflable quoi. Ah, on n'avait pas vu le M16. Qui a beaucoup de mines d'ailleurs. Merci infiniment Lock pour les 6 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Ah mon poulet. Ouais, ça on l'a vu. You need to shut the fuck up right now. My name is Paz. Yeah. Okay. Your name is Paz. Your Paz. You're not Picho. You're not a bug. You're Paz. And I need you here with us, man. Hmm? Plus lentement encore parce que y a les textures. Ok. Luarban. Must be Liberta. Wow. That's why you died. Now I'm going to call this in. You. You are going. Animation. Ouh. Crack. Schlack. Schla madame. Bah ouais, une boîte de sardines. Because why not? C'est un
gameplay sur GameCube. La chemise qui se déchire pas. Ouais, tu sais, le couteau qui passe à travers, quoi. Non, non, bon. Oh, je vais arrêter parce que ça va. Mais l'autre là. Ah, ah. Vite, tuez-moi! J'aurais pu kiffer ce jeu, franchement, si j'avais 13 ans, quoi. J'aurais surkiffé, même. C'est ça la target audience, hein, je pense. Hein, mais... Et il fait quoi, du coup? Il tire sur quoi? Ok. On dirait le grappin d'Amaru. Far Cry 3, le best à jamais. Non, Far Cry 2, le best à jamais. Far Cry 2 était exceptionnel. Après, il y avait pas mal de trucs relous, mais bon, ça, on a vu. Hein. Oh, les textures, quoi. Costa Blina. Hey, on se fait bannir à cause de la Macarena, merci. Oh là là. Non mais on peut perdre notre chaîne là-dessus. Hey, DMCA. Boum boum boum, because why not. Yes. Oui, bah oui. Attends, c'est pas une des phrases de Breaking Bad, c'est un moment, il dit pas ça? C'est quel jeu? Far Cry Mobile, hein. Il sort fin d'année. Sur Galaxy S21. Ah non, 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 non. Il est là. Ouais, j'ai tué ton maître. Ouais, ça on l'a vu. Watch Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away. Tyranny is law, revolution is order. Ok. Quoting Bolivar won't save you. Oh là 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 là, rien que les mouvements dans la... Regarde le mouvement de elle, là. Oh, tu sens l'intelligence artificielle exceptionnelle, quoi. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? À droite? À gauche? Renouvellement de la bonne. En espérant que le tatou cicatrise bien pousse le verre les yeux lourds. Merci évidemment, Mr. Coloscopy, pour les 30 mois. T'es un monstre, poulet. T'es un putain de monstre sur le campus de la Salty Academy. Merci beaucoup, vraiment. Eh ouais, le tatou, mais j'ai dû remettre un cellophane dessus, en fait. Parce que autrement je pouvais pas jouer. Autrement ça frotte, c'est relou. J'y avais pas pensé. Alors, franchement le coup de machette dans le casque de Tachanka. Et là on voit bien quand même qu'il est bien au centre. Hein. Gros crosshair placement quand même. Hein. Le centre étant à peu près au niveau de mon curseur là. Hop. Attention. Bah là il est là du coup. Puisqu'il y avait le truc pause. Attention, on va voir le centre. Hop Jean. Il est là le centre. J'envoie le truc. Headshot. On va laisser le curseur. Hop là! Headshot! Because why not? Merci évidemment Bravus pour le fait d'avoir repéré la possibilité à Bellocine, ses 2 mois de transcolarité, K-Track, 7 mois de transcolarité. Un monstre. On n'avait pas vu ça tout à l'heure. Bon bah lui, de toute façon, on le sait qu'il est en papier, donc on peut lui mettre des headshots. Hein. Oui, bah, on le voit de manière. Hein. On le voit que c'est une coquille Saint-Jacques le truc. Ah, Joe l'huître. Oh là, check la coquille Saint-Jacques. Le truc, il explose instant. Le casque. Because, why not? On s'en fout, c'est cool. Tac, le petit bout là. Ah, et lui, tout de suite, hein. Tout de suite. On va voir.
Intelligence artificielle, gros situational awareness hein, de la part de cette personne quand même. Merci Brabus d'avoir enfin la possibilité à Oxma, Lud, Vicron, iSniper et Age of leur droit de scolarité et même leurs frais de scolarité et leur droit d'inscription au campus de la Salty Academy. Un monstre, merci Brabus, merci. Je suis en train de dessouder Far Cry, le pauvre. Merci évidemment Brabus pour les 5 mois. Un monstre, enfin les 5 personnes. Envoyez des GG et des cœurs dans le chat, s'il vous plaît, pour la grande générosité de Brabus. Hein, merci beaucoup, beaucoup, poulet. Ça me touche énormément. Regardez bien, lui là. Hey ! Qu'est-ce qui se passe ? Mon copain est mort. Je vais donc regarder à droite et... Pourquoi ? Je veux dire... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? D'où est-ce que ça pourrait venir ? Le premier truc que tu vas faire, tu sens qu'il y a un mec qui vient de se prendre une balle, t'as pas entendu ? C'est rester en plein milieu et pointer dans une direction random. Hey ! Je pense vraiment qu'il est par là. Eh oui ! Ah oh, zut ! Il ne l'était pas. Oh, merci Brabus d'avoir fait la possibilité à Zissam, à Kérosine, à Uzi, à Kaelia et à TX Young, leur droit de scolarité, 10 droits, 11 droits même de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre, envoyez plein de GG, vraiment, et plein de cœur. Faites spammer ce chat, s'il vous plaît, pour Brabus. Merci infiniment, vraiment. Merci beaucoup, poulet. Merci K-Track aussi pour les 7 mois. Vous êtes des putains de monstres. Et monstresse. Hein, voilà quoi. Mais oui, tu te caches derrière le sac. Il devrait se barrer, là. Au moins faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait ? Là, il reste. Ok, bon, pourquoi pas, écoute. Ok. Attends, je regarde parce que... Combien de temps de chargement, là ? 13 minutes. Tout va bien. Tout va bien. Oh non, trop, c'est trop, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Tac, tac, tac. Ah non, je pourrais pas. Je le lancerai pas le jeu, autrement je vais être hyper salé. Non, je le lancerai même pas. Je le prendrai pas. Ah non, c'est exactement comme Far Cry 5 avec un design un peu différent, quoi. C'est tout, quoi. Coucou, tu veux voir mon arme ? Un mec qui siffle dans une ruelle de dos, non ? Ah non. Ouais, nice la traduction. Ah, ok. Alors, essayons de comprendre ce qui vient de se passer. Lui, visiblement, a fait une attaque cardiaque. Oh putain ! Un feu d'artifice ! Coupe les moteurs ! Il a pris un pétard, le mec ! Il a... Pourquoi ? Mon cœur ! Ok, ok, la musique, please, putain, parce que ça, c'est vraiment DMC, en revanche. Bah, tout va bien, hein. Ouais, bon, bah... À 15 minutes de waiting. Ok, ok. Ouais, non, désolé. Je m'attendais à un truc plus hypant, quoi. Non, non, bah non, 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 ça, j'y jouerai pas du tout. Déjà que Far Cry 5, ça commençait à tirer sur la nouille, quoi, voilà, quoi. C'était vraiment... C'est toujours pareil, quoi, hein. C'est vraiment toujours pareil, y a pas de nouveauté, etc. Donc là, bon, on va mettre un gros paquet marketing derrière, et bam, et truc, et on va pusher le truc, voilà, quoi. Durée de vie 3 semaines, voilà, quoi. Non, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan, quoi.
C'est chiant parce qu'il y aura vraiment des trucs sexy à faire, quoi. Après, les armes et tout, c'est sympa, quoi. Le fait que, voilà, ce soit un peu original et tout, je trouve ça bien fait et tout, mais c'est juste l'intelligence artificielle, quoi. Enfin, ça, moi, ça me fait péter. Moi, ça me fait vriller, quoi. La même chose avec une intelligence artificielle un petit peu sympa, tu vois, ça pourrait vraiment changer la donne, quoi. Avec un peu aussi une difficulté un peu plus sympa, quoi. Mais le truc, c'est que, ouais, non, c'est pour faire plaisir. La target audience du jeu, elle est à 15 ans, quoi, je pense. Elle est à 15 ans, quoi. Aucune difficulté dans ce jeu. La seule difficulté des Far Cry, c'est la longévité, en fait. C'est la longueur du truc, en fait. La seule vraie difficulté du jeu, c'est d'arriver à ne pas être saoulé au bout de 6-10 heures de jeu, quoi. Et de se dire, vas-y, non, je vais le terminer, mon gars. Je vais le terminer, je te jure, je termine. Hein, c'est ça, en fait. C'est la seule difficulté. J'arrive, je vois un trailer, j'ai l'impression d'être resté bloqué en 2015. Ah ouais, non, je suis pas... Non. Bon, ils ont au moins le mérite de pas avoir fait un gameplay un peu qui cachait la misère, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Ouais, mais bon, non, mais je suis pas dans la target audience du truc, quoi, tu vois. Je suis pas dans la target audience. T'es au bout de ta vie, on va libérer des tours. Mais tout le temps. Oh, un avant-poste. Oh, mais cet avant-poste, je ne peux pas le voir sur ma carte. Parce qu'il y a des tours. Ah, mais je ne peux pas utiliser mon hélicoptère parce qu'il y a un missile de la DCA et tu vas utiliser le missile de la DCA. Oh, mais juste à côté, il y a du craft. Je vais aller récupérer ce cactus qui ne me sert à rien. Tu joues 6 heures, 9 heures, tu l'as terminé à 20% et t'arrêtes. Et puis tu te dis non, franchement, il est bien. Et je le relancerai demain. Et tu le relances pas le lendemain, en fait. Et ni le surlendemain. Et tu y rejoues plus, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça, en tout cas. Après, voilà, quoi. T'as vu le let's play de Mary sur Village? Je regarde pas les vidéos, Easy. Franchement, je regarde très peu de vidéos. Je suis très peu sur YouTube, pour le coup. Le résumé des jeux Ubisoft. Bon, pas tous, quand même. Pas tous. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'après, on va dire Ubisoft, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas parce que c'est estampillé Ubisoft que c'est fait par les mêmes locaux, quoi. Regarde, Rainbow Six, ça reste une bombe absolue, tu vois. Le résumé des jeux, ouais, grand public, quoi. Tu vois, par exemple, Watch Dogs, ça doit être à peu près le même truc, quoi. Non, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Des trucs un peu originaux, tu vois, genre Trial Rising. Franchement, il est chambé, hein. Il est vraiment bien, tu vois, Trial Rising. C'est vraiment un super jeu, quoi. Watch Dogs, c'est affreux. Watch Dogs, je l'ai même pas joué, quoi, tellement ça me disait, mais rien du tout, quoi. Je regardais le trailer et je me disais, ok, bon, bah, j'ai pas besoin d'y jouer pour savoir exactement ce que je vais ressentir ou pas, quoi. Voilà. RD2. Assassin's Creed. Bah, Assassin's Creed, après, bon, bah, pareil, quoi, comme les Far Cry, c'est-à-dire, ils ont trouvé un truc qui se vendait bien, et voilà. Steep est excellent. Ouais, on en a parlé. Et grosse originalité sur Steep, quand même, quoi. On m'a dit que c'était pas mal, quoi. Splinter Cell, à l'époque, bah, j'attends toujours, hein. J'attends toujours, moi, Splinter Cell, hein. Au moins, c'est arcade. Mais t'as quand même un truc sympa, tu vois. T'as vraiment un truc sympa, je trouve, dans Splinter Cell, quoi. Il y a vraiment un petit, je sais pas, enfin, il y avait en tout cas à l'époque un petit truc sympa, quoi. Après, s'ils faisaient la même chose aujourd'hui, est-ce que ce serait pas... je sais pas comment ça serait, pour le coup. Est-ce que ce serait dénaturé ou pas, je sais pas, en fait. Non, mais c'est ouf, en revanche, le fait qu'il y ait plus personne, quoi. Plus personne ne joue à Favela. C'est combien de temps le TTS du coup? Ouais, 3 jours quoi, comme d'hab quoi. Lundi, enfin non, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, ouais, 4 jours. 3-4 jours et c'est bon, il n'y a plus personne quoi. L'histoire de Splinter Cell n'est pas qu'ils n'ont plus les droits. Ah ouais? Ah bon? Ah, j'ai pas entendu ça. Enfin, j'ai jamais entendu cette histoire, c'est possible, mais je pense pas quoi. Bon, après, tu peux toujours machin. Tu sais, Sam Fisher, il l'appelle Zéro là et puis c'est bon quoi. Zero, The Hunt, voilà, après tu fais un lore à la con où tu dis Sam Fisher est décédé, c'est son frère qui arrive, et voilà, et puis c'est bon, quoi. Steep est sympa, mais Ubisoft et le monde ouvert, c'est pas Rockstar, quoi. Ouais. Mais Steep, j'y ai pas joué. Mais il avait l'air cool, ouais. Et Trial Rising, c'est pareil, il est vraiment charmé, quoi. Après, bon, Trackmania, mais bon, c'est pas vraiment Ubi, quoi, c'est... Voilà, quoi. Pareil pour Brolala, quoi, c'est pareil. Ouais, c'est bien ce type. Ouais, je suis con, j'aurais dû y jouer pour le coup. J'aurais dû y jouer. J'avais vu certaines personnes y jouer, je me disais putain, il y a une bonne sensation et tout, c'était pas mal quoi. La saga Anno aussi. Apparemment, ouais, les fans du genre aiment bien Anno. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu, mais apparemment, Anno, ouais, il y a pas mal de gens qui en parlent quoi.
Il y a pas mal de gens qui en parlent pour le coup. Trailer de gameplay de Dying Light 2 sorti 6-4. Ah bon? Vas-y, envoie le Discord, poulet. Envoie-le sur Discord. Vas-y, bah, le temps que ça trouve des games, hein, on va faire du React, hein, que tu te dise. Far Cry 6. Je t'attends, Block. Dying Light 2, alors ça c'est pareil. Tout le monde avait parlé du 1. Et quand j'ai découvert le 1, j'ai fait putain, mais j'ai 3 ans de retard. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. En fait, c'était à l'époque où j'étais pro, donc bah, je jouais à aucun jeu en fait. Ou très peu. Enfin, aucun, quasiment. Et du coup, j'avais regardé, j'avais bien kiffé quoi. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le reprendre. Donc, ouais, Dying Light 2, il y a des chances que j'aille dessus quoi. En espérant qu'il n'y ait pas de musique dessus. Voilà quoi. Let's go. Attends, on va regarder ça. Tac. Tu l'as mis avec un truc en français, c'est parfait en plus. Attendez, on va regarder ça. Parce que je ne l'ai pas vu moi ça. Hey everyone. We've been quiet for some time. Since, like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. Oh, ouais. The last slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. You get out there, those fuck. You saw how your decisions influenced the narrative and notably changed the environment. This time, we want to give you a broader look at the game and a sneak peek at some of the things we'll be talking about in upcoming months. In Dying Light 2, you become Aiden Caldwell, an outsider trying to unravel a tangled mystery from his past. Its trail leads him to the city, probably the last bastion of mankind in the world. Oh, shit! Ça a l'air beau, putain. At first, you feel like this intense, what, pourquoi il y a Sledge là? Brutal place will tear you apart. At first, you feel like a Sledge. Like this intense, brutal place will tear you apart. But then you meet the Night Runners, veteran survivors who help people in better days. Putain, les textures, c'est hyper. I'm Hakon. You were a Night Runner. You used to help people, remember? Night Runners are gone. Finished. Oh, c'est propre, hein? A myth. And although it's not entirely clear you can trust them, you need allies in the dark. And these are the modern Dark Ages. It's been 15 years since the apocalypse and the world has changed. On garde la fuite, la fuite. La suite après. J'ai trouvé une game au bout de 21 minutes de game. Let's go. Merci évidemment Batwiz pour les 3 bonnes phrases qu'on a été payées au sein du campus. C'est un monstre, poulet. Voilà un trailer qui donne envie. Ouais, ouais, là, c'était assez propre, quoi. Mais tout à l'heure, c'était même pas un trailer de Ubi. C'était juste une présentation de gameplay, quoi. Ils auraient pu faire un truc un peu, au moins... un truc un peu hypant, tu vois. Un truc... rien que la petite scène, là. Tu vois. Bon, qui représente pas le jeu, mais là. Mais avec la scène du dessus, avec le mec avec le lance-flamme, là. Là, ça aurait pu accurier, ça aurait pu attiser ma curiosité, quoi. La seule hype que j'ai, c'est pour GTA 6, il va sortir dans 5 ans MDR. Ouais, non, mais Battlefield 6, quand même. Franchement, moi, je vais y mettre carrément dessus. Hein. Ah. C'est quel trailer Dying Light 2? Dying Light 2, je vais le préco incessamment sous peu. Ouais, il est dispo en préco sur Steam, j'ai vu. Ouais. Mais pour une sortie, c'est quand? Genre en décembre, non? Ils ont annoncé 18h30 pour le reveal countdown et tout. Pour qu'au final, à 18h30, quand la vidéo se lance enfin, un autre countdown de 30 minutes pour attendre la vraie vidéo. Sérieux? Oh là là, je sais pas ce qui leur arrive, sérieux.
C'est relou l'endroit là qu'on puisse pas aller là quoi. Il manque un accès je trouve. Pas beaucoup d'endroits pour attaquer ici, c'est pas l'endroit par où faut attaquer en fait ici. À part pocher sur des fenêtres de merde, on peut faire grand chose. Kidding me, he's under the... Y'a plus de spawn kill sur le roof. Lequel spawn kill? Y'a plus celui que j'ai inventé en revanche. Ah c'est là j'en étais fier. Le petit run out avec, double, avec le C4 balancé sur les escaliers. Là. C'était au bout de 5 minutes de présentation de Favela. En fait, ils nous avaient présenté Favela pour la première fois pendant les finales de la Pro League. À la fin de notre... quand on avait gagné la Pro League, ils nous ont dit « Vous savez, le Brésil va peut-être arriver dans la compétition. » Voilà quoi. Nous, on était là. Le Brésil. Sérieusement. Déjà qu'on était là. Les Américains. C'est clair. Et du coup, on a dit ouais, bah si vous voulez, on peut faire un. Voilà. Et ils ont dit bah on va vous présenter une nouvelle map, c'est Favela, et vous allez faire un show match contre eux dessus quoi. Du coup, c'était en 4, c'était en 5 à chaque fois quoi. 5-0, 5-0, 5-0. Il y avait Mav, il y avait. Je sais plus qui il y avait. Je sais plus. Quelques pros qu'on connaît encore à l'heure actuelle, je crois. Il me semble, hein. I'm reloading. On va tomber. Can you wait? Just cover me. Ah merde, je repasse dans la ligne. C'est pas mal cette petite ligne là du coup là, de venir là. Pas mal. Et tu peux ouvrir ici du coup. Getting in? Inside? On B. In the closet. Ah, je peux pas les pinguer. C'est pas mal là. Bah, j'ai encore du mal à repérer la map quand même. Hein. Deuxième étage, premier étage, machin.
C'est toi qui joues pour de vrai. C'est toi qui joues. Bah oui, c'est moi qui joue. Hein. Marrant un peu, sachant que le Brésil a gagné 6. Ouais, non, mais à l'époque, c'était vraiment ça, quoi. À l'époque, l'Europe était tellement au-dessus, quoi. Mais tellement au-dessus. En première année, l'Europe était au-dessus pendant 8 mois, quoi. Jusqu'à la finale de la Pro League de la saison 1, ou de la première année, où c'est Continuum qui a gagné, quoi. Bon, la première fois, on voyait des trucs un peu différents. Ils avaient une grosse rage de vaincre, aussi. Et qu'on gagnait le 6 derrière, quoi, aussi. Mais ouais, non, pendant les 6 premiers mois. Et donc, du coup, quand ils nous avaient parlé du Brésil, c'est clair qu'on a fait... Vas-y, on les avait pris sur Favela, ils avaient pas vu un round, quoi. Limite, on a signé des autographes à la fin. Batwist pour les 3 mois de phrase qu'on a raté. Genre, vraiment. Et maintenant, ça, c'est des monstres, quoi. C'est ouf, hein. Tu penses qu'elle peut être autre part qu'en case, cette map? Je comprends pas. En case. En classé. J'ai pas compris. Je suis toujours du père, hein. C'est ouf, hein. Je sais pas vous, mais... Il y a toujours les casques d'avant. Une balle de drone. Faut que je regarde, c'est trop de drones là aussi, non? Je sais pas où regarder, quoi faire. Il faudrait que j'étudie la map en fait. Vraiment que j'étudie la map. Bon là ça va mieux ici. Tenter un truc. Ok. Je voyais pas. Alright. Je comprends rien à la map. Bah si, mais ça vient. C'est pour ça que j'y joue, moi. Pour ne pas être surpris quand elle sortira sur les... En vrai, là. Parce que oui, il y a encore trop d'endroits où... Voilà, quoi. Là, la verticalité, je l'ai pas, machin. Bon, ça viendra, quoi. Bah, il y a deux possibilités, hein. Soit tu veux que ça vienne rapidement, et dans ce cas-là, tu pars sur une custom ou une terrorist hunt bombe pour avoir le temps et avec un bug, quoi. Et tu fais des trous partout. Tu tues tous les mecs et tu fais des trous partout, quoi. Ouais, ça, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est ce que je ferais normalement si je voulais tryhard, quoi. Ou autrement, bah, tu joues beaucoup, et puis c'est tout, quoi. Et puis, en revanche, faut pas... J'essaye, mais bon, souvent, je fais la même chose, quoi. Faut éviter de faire la même chose, quoi. Donc, c'est compliqué, mais je vais piquer à des fenêtres, comme le bug, tu vois, tout à l'heure. Si je tryhard, je vais bien piquer un bug à cet endroit-là, quoi. Surtout si je rate ma première décale, pour le coup, quoi.
Voilà. Tu vois. Mais... autrement, voilà quoi. Je vais tenter des pics sur toutes les fenêtres, des trucs à la con et tout. T'es vraiment dans une logique d'apprentissage, quoi. Donc faut pas penser aux résultats, quoi. Tu t'en fous du score, tu t'en fous de ton scoreboard, voilà. Le cercle bleu en bas, c'est moche. Sur le replay ? Sur le replay ? Ouais, c'est possible, ouais. Ça, je l'avais déjà tenté, ce spawn kill-là. Je pense qu'en deux temps, tu vois, si tu... ouais, si tu te mets là. Bah plutôt à droite en fait. Personne n'apprécie Thunderbird ? Non, c'est une blague. Pas d'huile. Pareil, les petites pressions sur les lignes de tête habituelles, quoi, tu vois. Ça, aller chercher des lignes et tout, tu vois, j'essaie de... je sais pas... Oh, c'était propre, là, ça jouait bien, en plus. Let's go. Elle est comment, la nouvelle favela? J'aime bien, mais je m'y perds, parce que, du coup, il n'y a pas grand-chose. C'est une nouvelle map, en fait. Elle s'appelle Favela, mais c'est Favela 2, quoi. Elle a rien à voir avec l'ancienne favela. Enfin, rien à voir, je m'entends, c'est-à-dire qu'il y a certains petits endroits que tu peux reconnaître, des petits passages, etc. Il y a des petits trucs, quoi, oui, tu vois, mais dans les grandes lignes, je suis du père, quoi. Donc, et pourtant, Favela, c'est pas comme si c'était genre n'importe quelle map de casu que j'avais jamais joué. Favela, elle a été en ranked, j'ai des strats sur Favela, on l'a tryhard, Favela, tu vois, donc je la connais vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Mais là, non, vraiment, je l'avoue, hein, je suis perdu, quoi. Il faut vraiment que je reprenne tout, quoi. Donc bah franchement ça me fait plaisir de la découvrir quoi, ça fait plaisir, ça fait un nouveau truc, un nouveau petit challenge quoi, parce qu'il y a de grandes chances, de ce qu'on peut voir, elle est quand même, elle donne l'impression qu'elle a tout ce qu'il faut pour être compétitive quoi, donc de facto il y a des possibilités qu'on la retrouve en enquête en fait, et ça c'est cool en fait, c'est une bonne chose. Let's go re-regarder du coup le trailer là, parce que ça a l'air sexy as fuck ça. Merde, cliquez sur le mauvais bouton. Let's go. Civilization has fallen, but a new one has been built on its ashes. Ah, c'est autre chose d'un point de vue graphique quand même. People fight desperately for scarce resources. Putain, c'est beau, hein. The rules are broken, and weakness is punished. She's innocent! Three factions struggle for position in the city. Survivors pride themselves on being able to adapt to any circumstances and cobble together safe zones almost everywhere. Peacekeepers, loyal soldiers, who want to impose their version of law and order and trample all in their path. Renegades, ex-prisoners serving their ruthless colonel, seeking to become sole rulers of the city. Where is Waltz? Where is Waldo? Use these factions to reach your goal. Help or harm them to reshape the city to your liking. Putain, il est just hyper remember, beau. C'est hyper each beau. Each faction contains complex characters. Bah Border, c'était un vrai rework. Favela, c'est une nouvelle map, quoi. So, will you follow cold calculation or your heart? The bazaar needs good people. Help us and you'll find a home here. Some in the city offer no chance for an alliance. Bandits, outlaws, and common thugs live only to plunder and kill, plunging the streets into chaos.
Yet, nightfall scares all of them equally. Darkness changes the rules of the world. As the light fails, monsters crawl out of hiding to prey on the poor souls caught outside the safety of UV rays. Hordes of infected pour into the streets lava. The deadly spawn of 15 years of mutation and evolution. Oh, God. Only escape? Exploit the city's verticality and flee to the roofs. Though even there, you are never safe from swift and deadly virals. Or even greater threat. Bah, voilà à quoi ça ressemble, un trailer, sérieux. Yet night brings opportunity as well. Day and Night 2. Nests rife with infected during the day now lie empty. Ouais, t'as le chargeur de Left 4 Dead, t'as le tyran, le tyran de Resident Evil 1. Resident Evil. T'as le smoke de Left 4 Dead. Le bestiaire fait SRF et penser, mais bon, à des trucs qu'on a déjà vu par le passé, quoi. Putain, c'est insanement beau. Ah, c'est une espèce de Mirror's Edge version post-apocalyptique, quoi. Oh là là, nice. Mirror's Edge était tellement bien. Oh non, ça a l'air insane. Même là, t'as bien l'impression de... Ok. But often, you'll have to face your enemies head on. And then you have to be smart, resourceful, and determined. We've worked hard on the essence of our combat, making sure swinging a big, meaty weapon is fun, satisfying, and well executed. But even the most brutal fights can be tactical as well. You have multiple ways to hone your skills toward the gameplay style that suits you best. It's up to you if you focus mostly on mobility and parkour. Peut-être j'ai sous cellophane. Ouais, j'ai dû le faire à cause de la friction sur le tapis de souris. J'ai dû le remettre. Peut-être alors je l'enlèverai. You've created, get the job done. Every ability you learn can be a game changer and possibly a new favorite move. Oh, le feu est bien fait aussi. Things move fast and quick in Dying Light 2. Each moment matters. Each move could mean triumph or defeat. Choose your actions and friends carefully. Everything you do in the city can reshape the gameplay environment, change the course of the narrative, and decide the fate of the city's residents. But most importantly, you decide your own fate as well. You're about to turn. Make sure to stay human. Bah voilà une vraie belle présentation de gameplay, quoi. Et un vrai trailer. Du coup, bah hype en fait. Sondage. Coop jusqu'à 4. Hormis les zombies et le reste, je trouve les déplacements un peu vieillots, non ? Oh non, franchement, comment ça vieillot ? Oh non, je trouve ça hyper réel, c'est un peu lent, quoi, tu vois, c'est un peu réaliste, en fait, quoi. Un peu à la Mirror's Edge, quoi. Faut pas qu'il y ait de bugs, ouais. Ouais, ça claque grave, quand même. Ça claque grave. Official gameplay, donc ça, c'était hier, du coup. Non, avant-hier, déjà. Ouais, c'est sorti il y a 2 jours, ça. Waouh. Jeez, what a hell, well-made, great... Ouais, tu m'étonnes, hein. Il est bien well-made. Non, vraiment sympa. Vraiment sympa pour le coup. Alright. Ah, j'ai pas lancé.
Oh, je suis trop con, on va repartir pour 17 minutes de waiting time. Ça en jette tellement, surtout par rapport à la présentation de Far Cry. Il est à combien, du coup, le tarot? C'est quoi les tarifs? €40 seulement? €45-50 sur PC. Attends, je vais regarder sur Steam. Putain, ça va, hein. Je vais regarder. Attends, store, library. Library, we got it. Non, store, pardon. Et du coup, ah, il est là, Dying Light. Forcément, pre-order now. Ah, c'est peut-être pas via leur site. Si. Ah non, €59.99. Oh, la petite scène qu'ils ont faite, là. Ah, ça, on l'a vu. Donc, du coup, c'est tous les trailers, mais ils le présentent en live, quoi. Ok, vous voyez pas, mais bon. Putain, mais c'est un écran vert, ça, ou c'est insane, ce qu'ils ont fait, là. Bon, bref. Truc derrière Rome, quoi. Ouais, bon, laissez tomber. Ok. Bon, bah, wishlist, déjà, ça, c'est fait, je te le dis. Et add to cart, à la limite, même. €59.99. €40 pour les filous. Même prix sur Epic, €59.99. Tu peux jouer à 4. Putain, mais c'est chambé, ça. Ah, oh bah oui, c'est clair que je l'ai mis dans ma wishlist, mais il va être acheté. Voilà quoi. Ça sert à quoi de le préco? Ça sert à quoi de le préco? Sur une version non physique, du coup, c'est quoi l'idée? Voilà quoi. À part aider les développeurs, ce qui est déjà pas mal, mais voilà. Hello, il doit y avoir des clés Steam moins chères. Ouais, mais bon, c'est toujours sur des sites où tu sais pas si tu peux en parler, en fait, quoi. Attends qu'il sorte sur Instant Gaming, il sera large, moins cher. Bah ouais, mais bon, c'est pareil, Instant Gaming, j'ai 2A et tout. Je sais jamais s'il faut en parler, pas parler, voilà, quoi. Je me suis vraiment jamais vraiment renseigné, pardon, sur le business model de ce genre de site. Et apparemment, de temps en temps, c'est un peu sketchy, quand même, hein, la façon dont ils récupèrent les clés, quoi. Donc, je sais pas. Je veux pas dire de conneries, donc j'en fais pas forcément la publicité, si je puis dire, quoi. Là-bas, c'est autorisé sur Twitch. Je pense que tout le monde a fait la promo sur Twitch. Ouais, mais bon, Display aussi est autorisé sur Twitch. Et voilà, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont autorisés sur Twitch et qui sont pas forcément... c'est pas forcément un gage de moralité, le fait que ce soit autorisé sur Twitch, voilà quoi, voire même de l'égalité, hein, simplement parfois. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Alright, du coup, bah on attend la game. Let's go, quoi. Bah ouais, non mais et le sondage, du coup, ça a donné quoi? Les gens sont motivés ou quoi? Enfin, sont hypés par le prochain? Ah. Merci Lunali, bienvenue. Beaucoup sont hype. Ouais, non, mais vraiment, quoi. Ah, surtout si c'est une coop. J'ai bien envie de le faire avec Mary, mais je sais pas, peut-être qu'il sera motivé par le... Il va peut-être le faire avec Mr. B-Boy, ce genre de... Enfin, voilà, quoi. Ou ce groupe. Alors, attends, un peu l'enchaîner parce que le développement est un peu foireux. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en... Pourquoi tu dis ça? Après, c'est clair qu'un gameplay, un trailer, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Ça se trouve, ils nous ont fait voir les phases qui étaient, voilà, qui étaient terminées. Et derrière, le jeu est pas du tout fini et va être fini à la piste, quoi. Il y a quoi de display? Je veux pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'il y avait un peu... c'était un peu sketchy, pareil, quoi. En gros, sur display, de mémoire, tu peux avoir un truc qui fait que... tu vas mettre un design sur display, ok? Et ils vont utiliser ton design sur le marketplace. Et donc, les gens qui vont acheter en se disant « Putain, c'est joli ce design, je vais le commander chez moi. » Donc, du coup, tu payes Displate et Displate paye le créateur. Ok ? Paye le créateur du design. Sauf qu'il y a plein de mecs, en fait, qui mettent sur leur truc des designs qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes, en fait. Ils récupèrent des designs sur Artwork et ils les mettent, en fait. Et ils se font de la thune comme ça, en fait. Et les designers, parfois, ne le savent même pas. Ils n'ont même pas entendu parler de Displate, tu vois. Et... enfin, je sais pas, et un designer ne peut pas trop, dès qu'il fait un design, il va pas à chaque fois le protéger, quoi, tu vois. C'est hyper compliqué, en fait, quoi.
Je sais pas, ça doit être un dépôt à l'IMPI derrière, c'est chiant, ça doit être de, ça coûte de la thune. À chaque fois que tu vas faire un dessin, va falloir le protéger quoi. Et de temps en temps, donc du coup, il y avait des problèmes de droits d'auteur comme ça sur Display, que c'était un peu sketchy quoi. Et eux, ils étaient pas vraiment très regardants visiblement à partir du moment où ils faisaient du bis quoi. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre à un moment. Donc maintenant, peut-être qu'ils sont un petit peu plus rigoureux, peut-être qu'ils vont demander à la personne de, je sais pas moi, de filer un book ou un truc comme ça, ou je sais pas moi, son lien de son site ArtStation et il le contacte, je sais pas, mais voilà quoi. Une espèce de double authentification. Mais avant, c'était tranquille quoi. Tu prenais n'importe quel design que tu trouvais sur le net et tu le faisais sur le... Tu le faisais pour toi en te disant, tiens, bah, je vais me le faire pour moi parce que je vais l'imprimer chez moi, ce qui est pas normal normalement. Mais surtout, tu pouvais le laisser et les gens sur le marketplace qui allaient prendre le même design que pourtant toi t'avais importé mais qui n'était pas le tien, et ben allaient toucher de la thune. Et le designer derrière, dans le fion. Voilà quoi. Un display de la SA, j'achète direct. Bah, ouais, pourquoi pas. Mais seulement s'ils se sont un petit peu... Je crois que c'est mieux maintenant parce que je vois des streamers, pareil, c'est pas forcément un gage de moralité, mais je vois des streamers maintenant en faire la publicité quoi. Donc j'espère pour eux en tout cas que c'est quand même mieux que ça l'était par le passé quoi. Voilà quoi. Enfin, je sais pas, hein, je m'étais pas trop renseigné là-dessus, mais j'avais cru voir quelque chose passer comme ça sur Display, toi. Non, c'est toujours pareil, il y a toujours autant d'artistes qui râlent sur Display. Voilà. Ça m'étonne pas, hein. C'est hyper difficile de contrôler, hein, franchement. C'est hyper difficile de contrôler, quoi. Hein. Pour un artiste, voilà, quoi. Il met son truc sur Instagram, n'importe qui peut faire un copier-coller, l'enregistrer, etc., quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que le seul réel moyen, à la limite, de pouvoir essayer de... Tu vois, de faire en sorte que ton truc soit pas niqué, c'est de niquer ton art, quoi. C'est de mettre un énorme watermark en plein milieu, et encore, les mecs peuvent essayer de l'enlever, tu vois. Mais de caler un énorme watermark en plein milieu, quoi. C'est horrible. Les gens, ils ont pas envie de faire ça, tu vois. Mais voilà, quoi. Perso, je viens d'en acheter deux. Ouais, je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais je crois que c'était un peu, une fois de plus, un peu comme un stand gaming, quoi. C'est un peu sketchy, quoi. Là, le produit racheté, c'est un peu... voilà, le produit qui est vendu est un peu... Les origines du produit vendu sont un peu tendancieuses, quoi. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu... est-ce que c'est pas un peu le cas pour tout, mais voilà, quoi. Donc, non. Et Display, c'est quoi, en fait? C'est en métal, les trucs? C'est une impression sur métal, en fait? C'est ça que t'achètes? C'est une impression A4 sur métal? Oui? Ouais, en métal. Ok. Ouais, bah... En métal plus aimanté. D'accord. Maintenant, certains artistes mettent leur pseudo au milieu de l'image et l'incrustent en dessin. Ouais, c'est ce qu'on appelle un watermark, quoi. C'est la seule façon, quoi. Mais c'est dégueulasse, quoi. Mais ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. C'est ce que je disais. Ils dégueulassent volontairement leur image. Allez, hop, en mettant le nom dessus, quoi. Voilà. Regarde, en fait, il faut que les artistes fassent exactement la même chose que ce que tu vois sur des banques d'images. Ouais. Les banques d'images, de temps en temps, quand tu vas vouloir, je sais pas moi, tu tapes drapeau de la France, tu vois, dans Google Images, tu vas avoir parfois des banques d'images qui te proposent de jolis drapeaux de la France et tout, et il faut payer pour ces trucs-là, quoi. Et le meilleur moyen pour pas qu'ils se fassent copier, t'as des trucs dans tous les sens et tout, machin, banque d'images, tu peux pas l'utiliser, quoi, à moins d'aller changer chaque truc et tout. Voilà, quoi. Ouais, les Shutterstock, les trucs comme ça. C'est quoi les nouveautés sur R6? Ouais, il y en a pas mal quand même. Il y en a un sacré paquet, hein. Déjà, un nouvel opérateur, rework de Favela, sur lequel on va partir right fucking now. G2A, c'est pareil qu'un stand gaming. Bah après, je sais pas quels sont les sites qui sont les plus moraux, quoi. Moi ça m'arrive d'en parler, tu vois. Mais bon, je vais pas vous mentir, G2A, Instant Gaming, Kinguin, ils sont déjà venus sonner à la porte de la Salty Academy plusieurs fois, quoi. De nombreuses fois. Et puis souvent, bah, c'était non, quoi. Après, bon, ce qui est vrai sur Twitch, l'est un peu moins sur YouTube maintenant. Voilà, j'ai toujours été transparent. L'argent de YouTube, ça sert à payer les monteurs. Donc bon, je suis moins regardant sur les trucs qu'on pourra faire, quoi. Voilà. Ben non, tous les Rhino Shield, ça j'ai refusé, les NordVPN, machin truc, vous vous rendez pas compte, les Red Shadow Legend et tout, c'est une proposition par semaine, quoi. Moi, je... voilà. Si je crois pas en la marque, j'ai du mal, quoi. Et je suis un peu con là-dessus. Protect the bombs. Je suis très con là-dessus, d'ailleurs. Je serais mieux de fermer ma gueule et prendre la thune, mais... Hey. Sorry. Clear
a blast. Doorway secured. Mon chat est en retard sur le stream, t'as la fibre. Ouais, la fibre du campus de la Salty Academy, c'est 1 gigabit seconde. 1 gigabit seconde en téléchargement et 700 MO seconde en upload. Ouais, on est bien, on est bien. Il a fait le picou lui? Ah, je le savais qu'il était passé derrière moi. Je me suis dit, tiens, un petit C4 là, ça peut être pas mal. Ok. Prop, bientôt la fibre, enfin perso. Ouais, ça c'est cool quand même. Hein. C'est cool. Après, à mon avis, il y a dû avoir des retards de on ping tout. Ah oui, autre chose, tout à l'heure quelqu'un disait « Ouais, mais le ping rouge. » Ping rouge quand tu sais que la personne va casser la caméra. Wow. Quand tu vois qu'il regarde la caméra, deux secondes avant, tu balances un ping rouge, quoi. T'as juste à dire, c'est pour développer la chaîne et après tu t'achètes une petite Rolex. Non. Mais sur YouTube, oui, sur YouTube, il y en aura. Il y en a déjà eu des trucs, quoi. Oh, ça turn. Quel monstre. Faudrait qu'on fasse un petit chest, hein. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait, d'ailleurs. Ce serait intéressant. Petit chest sur les TTS, ça pourrait être pas mal. Mais bon, le truc, c'est qu'il y a personne, quoi. Personne n'a les TTS. Tu joues en 4 tiers? Oui. Op 4, last operator standing. Comment on met les viseurs en vert? Comme ça là. Option accessibilité là. Il connaît pas la map encore. Et les ZD, je vais le scanner. À gauche hein? Il monte dans l'escalier en face de toi mec hein? Avec le son, non? Il devait être là. En dessous de la cam, non? Ouais. Hein. En dessous de la cam. En même temps, les TTS, v'là comment c'est bugué, les serveurs, j'atterris en Australie, MDR. Ah bon? Non. Non, le problème, c'est pas que c'est bugué, c'est qu'au bout de quelques jours, il n'y a plus personne sur le serveur. Donc, du coup, le temps d'attente est long. Et donc, du coup, les gens se disent, ah, bah, je vais retourner sur les serveurs normaux. Et donc, du coup, ils retournent sur les serveurs normaux. Ce qui fait que le temps est encore plus haut. Ce qui fait que le truc est encore plus long. Et puis voilà, quoi. Et du coup, il y a moins de monde. Voilà, quoi. Il y a des couleurs de viseurs mieux que d'autres ou c'est subjectif? Subjectif? Bon, il y en a quand même qui puent un peu la merde, quoi. Franchement, mais vert, c'est parfait. Moi, je kiffe. Laisser en rouge aussi, comme au début, c'est pas mal. Blanc, je pense qu'il y a trop d'endroits qui sont blancs et sur lesquels tu peux le perdre et tout. Mais franchement, vous prenez pas trop la tête. Hein. Vous prenez pas trop la tête. Secure the bombs. Reloading! Là, je commence à voir un peu ce qu'il y a derrière les murs, déjà c'est pas mal. Avant de renforcer. Couleur fluo, c'est top. Ouais, faut une couleur un peu flashy, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Ouais. Sorry, bro. You can eat yourself. C'est où là du coup?
Ouais, je vais rester sur site parce que... On a une ligne là? Non. Ça donne là. Ok, on a rien vu du coup. Hein, ça donne là. Putain, j'ai encore du mal. Putain, c'est ouf. Hein. Tous ces petits couloirs, ces petits trucs, ces petits machins là. Yo, Binous. Toujours pas la C2R6 ? Non, bah non, ça va, surtout qu'il y a une nouvelle, il y a un peu de contenu là, à se mettre sous la dent. J'aurais préféré plus de contenu, c'est clair, mais bon, hein, on s'en contente, hein. Tu peux montrer le tatou ? Bah il est sous cellophane là, mais je le mettrai sur Instagram pour les savoir sur Instagram les amis. Moi c'est les nouvelles cams, ouais bon ça va vite quand même. Moi c'est plutôt l'architecture et puis après les nouvelles cams ça viendra quoi. D'ailleurs tiens, je devrais jouer ça, essayer de jouer un peu sur la verticalité, ça me fera apprendre la map plus vite. Ou pas, si on se fait défoncer la rondelle. Ou pas. Putain, mais je vois personne, quoi. J'ai vu son père sur le round. Ah, toujours. Ouais, c'est. Il y a des endroits du premier où je me dis, attends, je suis au premier ou au rez-de-chaussée, là. Bon, après. Si je faisais 2 heures de custom, je serais en mode « Ah, ok, c'est bon. » Mais j'ai pas envie de faire 2 heures de custom. Putain, mais il y a des trucs de partout, en fait, ici. Ah, nice aussi, ça. Donc là, c'est le couloir du premier. Qui donne vers... ce truc-là, là. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Operator
Il a pris la flèche, non? Ah, dommage. Non, non. Je loupe le flick shot. Sympa de jouer Buck. Hein. J'aime vraiment jouer Buck. Pas le plus facile, mais vraiment hyper rewardant le fait de faire des kills avec un Buck. Je sais pas pour vous. J'adore ce perso. Yosik, salut Maverick. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va prendre Buck, tu vois. Pourquoi pas. Même s'il faudrait plutôt un Jackal, en fait. Jackal! Hey! Salut la gâche, salut tout le monde. Du coup, il est 17h et tout à l'heure, 18h30, donc du coup, j'arrêterai. Voilà quoi, faudra que je parte. Les amis, faudra que je ferme le campus. Dimanche, demain, le campus sera fermé. J'espère qu'on va avancer assez rapidement avec ce Unitis Royal pour qu'en juin, on puisse l'avoir. Le tatouage, je vous le mettrai sur Point d'exclamation Instagram. N'hésitez pas à vous follow. Il y a des nouvelles vidéos, Point d'exclamation YT, chaîne YouTube. Voilà. Pas mal de trucs de prévu, là. Pas mal de trucs de prévu sur le campus. À plus tard, Jockey. Par contre, les nouvelles icônes des agents, on dirait vraiment un cartoon. En haut ? Ouais, franchement, c'est pas ça qui me... Je peux comprendre, hein, mais bon, il y a quand même d'autres trucs plus... tu vois ce que je veux dire ? Plus emmerdants ou plus importants à l'heure actuelle, quoi. Ok, ils sont sur le même bomb site, c'est ça l'idée ? J'ai envie d'aller mettre en rappel ici, voir la ligne un peu. Y'a un truc sur le toit là ? Ah. Nope. Bouché ça. Bon, le toit reste quand même facile à attaquer quand même, hein. Et de facto, difficile à défendre. C'est vraiment bien de prendre ça en fait. Fais ton petit carré quoi. T'as pris ça, t'as pris cet endroit là. Contrôle de l'escalier. Ok, mais on s'en fout hein. C'est juste dans ma tête, je réfléchis à des trucs. C'est propre ce qu'il a mis. C'est pas lui qui me le met, si? Oh le bâtard. You're alone, bro. Kill the other one, kill the other one in front of you. On your right? No? Ok. Oh les Toto. Oh les putains de Toto. Il était juste en face. Il avait juste à faire ce qu'il a fait avec le maestro et flic l'écho en face de lui quoi. 4 au pic. Dommage.
Combien de temps la plante maintenant? Bah, c'est les Discovery là. Favela, ça c'est une casuale en fait, il me semble. Hein. Ouais. Ouais, donc si c'est une casuale, la plante doit être à 5 secondes, je pense. Là où sur une ranked, elle est à 7 secondes, il me semble. Hein. Il me semble de mémoire. Voilà. Ton avis sur les nouvelles agences, 6-4? Il est cool, franchement. Franchement, là au moins, on peut pas dire grand chose. Là, Ubi nous montre qu'après 5 ans d'expérience, ils savent faire de nouveaux agents. Voilà. Qui plaisent à tout le monde. Donc, assez hypant, assez cool, un joli lore, un truc, un machin. Et ils savent faire des... pas trop balance, mais bon, pas trop manque de hype, tu vois. Voilà quoi. Et ils savent aussi faire des bons reworks. Voilà. Voilà, ça c'est clair. Hein. À part le recyclage mis à part, qu'importe les arguments qui sont donnés par rapport au recyclage, je trouve ça absolument naze. Mais recyclage mis à part, non, elle est vraiment bien. L'opératrice. Ça a été le tatou? Ouais. Ouais, ça allait. Bon, vous avez vu le live? Je le mettrai sur YouTube si vous voulez, quoi. On mettra le best-of. Bon, y a pas grand-chose, de toute façon, quoi. Une petite vidéo, ça peut être cool. Ouais, ça vous intéresse. Mais c'était pour vous remercier, c'était pour le record des étudiants sur le campus de la Salty Academy. On était à 3200, c'était au mois de février. J'arrête de faire la même chose, j'attaque toujours au même endroit comme un toto. Il y a moyen de faire des bonnes coupures d'angle et tout. De bien couper les angles et tout. On aime bien s'amuser quand même. Oh non, je rate le truc. Oh non, faut pas. Ok, j'ai tiré dans les trois, comme ça on est sûr que c'en est. Bon, ils vont faire le kill avant moi, je pense. On va qu'ils reviennent là. Maestro. GG. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Grosse aim quand même. Oui. Easy peasy. Bah ce serait bien de refaire une vidéo pour ceux qui n'ont pas vu qui n'ont pas pu être là hier. Ouais, grave, grave, grave. Je pense qu'on va faire une vidéo sur YouTube quoi. En plus, bon, l'avantage c'est qu'ils ont été super cool parce qu'il y avait 3 autres tatoueurs et 3 autres tatoués en plus dans le salon. Et du coup, quand je suis arrivé et qu'ils ont dit qu'ils voulaient mettre de la musique, j'ai fait « Aïe !» Ça va pas être possible, malheureusement. Donc ils ont dû le faire en silence et ils l'ont fait en silence, quoi. Donc au moins, il n'y aura pas de problème avec YouTube, quoi. Donc voilà. On va continuer, là. Le but du jeu, c'est d'apprendre Favela, hein, pour moi. Hein. C'est avant qu'elle arrive, bien évidemment, sur les serveurs normaux, de la saigner, quoi. Là, il y a trop d'endroits où je me dis « Merde !» Je suis du père, quoi. Voilà, quoi. Tu suis la scène e-sport? Laquelle? C'est comme si je te demandais, tu regardes du sport? Tu vois ce que je veux dire? C'est vaste quand même. Merci Paria pour les 1 an de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Ça, c'est un bon étudiant qui se respecte. Il paye ses droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Merci infiniment, poulet. Un putain de monstre. Merci beaucoup, vraiment. Mais les vidéos, c'est sur la chaîne VOD, non? Non. Non. La VOD sera pas sur la chaîne VOD. Parce que c'est fait du portable et ça me fait chier de l'importer. Voilà. R6, pas FIFA 12. Oh, non, pas. Enfin, je la suis vite fait de loin, ouais. Voilà quoi. Je me tiens au courant quand même. Mais plus comme avant. Non. Elle va rester en partie simple, Favela, non? Je sais pas. C'est ça le truc. Moi, j'anticipe le fait que je pense qu'elle termine en ranked. Voilà. On en reparlera. Hein. On en reparlera dans quelques mois. Mais je pense qu'elle terminera en enquête assez rapidement, en fait. Voilà. Bon, et du coup, il y a quand même pas mal de trucs excitants pour la fin de l'année, là. Hein.
C'est ouf, hein. On n'a eu rien du tout pendant janvier, février, mars, avril, mai, juin, que dalle. Fin d'année, après on aime ou on n'aime pas, hein. Mais Battlefield 6, Far Cry 6, Dying Light 2, Back 4 Blood, ah, déjà rien que ça, quoi. Rien que BF6, de toute façon, moi je l'attends vraiment, vraiment trop, quoi. Tu fais toujours autant de vélo? De vélo ou de valo? L'euro, ouais, j'avoue. New World, ouais, mais New World, non, c'est mort. Si je me mets dessus, on me revoit plus jamais, quoi. Et toutes les 3 minutes, j'ai dans le chat, c'est « Tire ton camp sur un FPS ». Voilà, quoi. Fortnite 2, je suis bien hype aussi. Tu vas prendre un ban, toi, fais gaffe. Quarantine? Ouais, bon, Quarantine, ouais, bon. Oui, non, mais c'est bien. Oui, c'est vrai, Quarantine, non. Sortira en fin d'année, quoi. Mais bon. BF6, je vais le poncer. Ah ouais, moi aussi. Hein. Faudra pas me parler de Rainbow Six à la fin de l'année quand BF6 sort, hein, les amis. Hein. Vraiment, hein, soyez cool. Hein. Parce que je l'attends depuis trop longtemps, quoi. Et j'ai envie de changer. Normal. Merci, Do Hit. 10 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci infiniment, poulet. Vous êtes des putains de monstres, vraiment. Boum, boum. BF6, New World, Dying Light 2 et d'autres. Bah, B4B, hein. Back 4 Blood, voilà, quoi. Back 4 Blood, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Hein. Voilà, quoi. Pour revenir sur Dying Light 2, on n'avait pas de nouvelles officielles depuis 2-3 ans et on sait qu'il y a des gens à l'origine du 1 qui se sont barrés pour différentes raisons, genre harcèlement et management complètement aux fraises. Moi perso, je suis ultra hype parce que le 1 est super, mais même encore maintenant. Mais avec les galères qu'il y a, j'attendrai la sortie pour voir ce que ça donne. Franchement pareil, moi aussi. Hein. Moi je suis toujours, de toute façon, je suis un éternel sceptique. Surtout dans le monde du jeu vidéo, quoi. Surtout dans le monde du jeu vidéo. Et où surtout, voilà quoi. Ou quand bien même on te présenterait parfois un gameplay. Avant, tu te hypais sur les trailers. Erreur du débutant, quoi. Ensuite, tu te hypais sur le gameplay. Et on s'est rendu compte que même ça, c'est une erreur de débutant, quoi. Le nombre de fois où on a dit « Waouh ! Ça, c'est les images in-game avec le moteur du jeu !» Ouais, c'est le moteur du jeu présenté à l'E3. C'est pas pareil, hein. Tu verras, quand il va sortir sur ta PS4, ce sera pas le même. Non, mais c'est rien, voilà. Donc maintenant, j'attends de voir, en fait. J'attends. Mais bon, il y a quand même quelques attentes qui... Il y a quand même quelques studios ou franchises qui n'ont que très rarement déçu, quoi. Voilà. BF6 est prévu aussi sur Old Gen. C'est bien dommage. Ah ouais ? Putain, c'est dingue, ça, hein. Après, bon, voilà, mais bon, j'espère que ça va pas faire un effet cyberpunk, quoi. Où les gens vont dire, attends, je comprends pas, sur ma PS4, il est pas aussi beau que... Bah ouais, il est pas aussi beau, c'est normal. On a appris la leçon avec Watch Dogs pour le downscale du rendu... Ouais, downgrade, ouais, du rendu du jeu. Ouais, bah Watch Dogs et BF6, et R6. Hein? Ok. Tu veux regarder le trailer de R6 présenté à l'E3 ou pas? Ou non, ça te va? Non, parce que je te dis, la petite arrivée en hélicoptère sur les toits de House, là, on s'en rappelle tous, hein. Alors maintenant, le jeu est devenu ce qu'il est et il est extrêmement compétitif et voilà. Alors que le jeu qui nous avait été présenté n'était pas dans une dynamique compétitive. Hein. Enfin, c'est pas l'impression que ça donnait. C'était plutôt un truc un peu réaliste, à la sauce Ubi, certes, mais un truc un peu réaliste, une espèce de SWAT 5, quoi. Ouais, vite fait. J'ai hâte pour le BF6. J'y joue depuis le 3. J'ai envie de retrouver un vrai bon BF. Bah moi, en fait, j'ai attendu, quoi. J'ai joué, j'ai poncé le 3. De plus en plus à R6, un gars de 29 ans qui te suit depuis presque 2 ans. Merci Momo, merci pour les 7 mois de frais de scolarité. Et merci pour le message qui l'accompagne, t'es un monstre poulet. Vraiment, ça me touche énormément, Soul Team et Packer. Merci beaucoup, vraiment. Ce trailer, non, pour BF6, moi c'est pareil. Hein. J'ai pas joué à BF5 et j'ai pas joué à BF1. Hein. Parce que ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Voilà, tout simplement. Mais BE, ah non, si. Là, j'attends beaucoup de BF6, quoi. Mais je suis un putain de fan de BF, moi. Mais un putain de fan de 1942, de Desert Combat, la donne, 1942, je l'ai poncé. BF2, BF3, BF1942, BF4. Et après, j'ai give up. Voilà, c'est tout. BF2, mais il était trop bien. Il est trop bien, sérieux. Putain. Ok, let's go, guys. Vas-y, je vais prendre ça. Mm-hmm.
Bad Company 2, je l'ai même pas fini. On me l'a volé. What? J'ai jamais joué au Bad Company. Et c'était bien. Merci évidemment le Big Jim pour les 5 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy, comme un bon étudiant qui se respecte. Et merci aussi à Splinson pour les 4 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci beaucoup, vous êtes des monstres, vraiment. Merci beaucoup. Alright. Oh putain, les gens qui jouent sur des toasters. Ah! Nom de Dieu! Halo Infinite attendu? Pas du tout. J'ai jamais aimé les Halo, j'ai jamais joué au Halo. Ouais, dès que ça commence à être machin, jetpack dans l'espace, tout ça là. Ouais, moi je suis pas fan. Bah, je peux comprendre hein, que les gens kiffent, hein, mais c'est pas du tout ma cam. Pas du tout ma cam les Halo. J'ai jamais joué à un Halo plus de 20 minutes quoi. C'est pas ma cam. Bon après je suis difficile hein. Franchement je suis difficile et casse-couilles hein. Clairement en termes de jeux vidéo pas dire le contraire hein. Non mais allô quoi. Wall secured. Be advised, a bomb location has been compromised. Ici c'est une belle ligne à venir prendre. Hein. Et donc là il y a le mur là et là il y a la décale là. Et du coup ce renfort ne sert pas à grand chose au final. Je pense. Il y a une ligne du coup sur le couloir ou quoi? Oh, ça va, elle est assez profonde au final. Ok. D'accord, cette petite avancée de merde là, et les mecs sont au-dessus de notre tête en fait. Et on peut volt ici. Ok, quel pourrait être l'intérêt de volt? On peut voir ce que ça donne. Là je suis pas spotted du coup. Enfin si, je suis spotted mais les mecs peuvent pas trop m'intercepter. Ah, est-ce qu'ils sont sur le coffre? Sur le toit? Ah, j'ai vraiment de la merde. Ah, j'ai encore du mal, hein. C'est pour ça que je tente plein de trucs, je tente des sorties, je tente des machins. Faut faire que ça de toute façon. Ah la vache. Ah, l'autre il était du père quoi. Du père allongé sur un ping, il bouge pas, t'sais. Normal. Merci vivement Rod Carnage pour les 4 points de frais de scolarité payés au sein du campus. Un monstre. Des monstres. Merci beaucoup. Pla 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 pla. Ça faudrait vraiment que je la joue en revanche parce qu'à chaque fois je me la fais tirer là mais voilà quoi. Favela, tu feras une vidéo à ton avis? De ton avis? Je sais pas. Non, je pense pas. Enfin, pas spécialement. Non. Top 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 top. Tu connais Ark? Le jeu? Ark Evolve? Le jeu avec les dinosaures là? Le jeu qui a jamais été terminé? Secure the area, keep the bombs protected. Reloading.
scanner d'ici. Putain, t'as vu? Tu regardes là, t'essaies de comprendre où peut être la ligne tout de suite, quoi. Ça peut être là, au moment où tu te fais spotted. Et du coup, il restait que cette ligne-là, et donc il était là. C'est important, ça, quand vous faites scanner, de tout de suite comprendre où est le drone. Avoir une bonne... Vache, tout ça pour faire un truc. Oh non. Mais il y a une ligne là. Oh mais elle est pure celle-là. Elle est méga pure cette ligne, pareil, ça je la connaissais pas quoi. Du coup la tête du mec qui monte est là quoi. C'est insane. Attends, et du coup... Oh non mais elle est pétée cette ligne même. Oh celle-là... Ok nice. Oh, on mapping. Oh le one-tap qui m'a mis son shotgun là. One tap shotgun, il m'a mis l'autre. Instant, il me fait tomber, mais bon, que veux-tu? Gros niveau. Le petit trap de Frost était tellement bien placé. Tellement bien placé, le petit trap de Frost. J'ai hâte que Ubi termine Skull and Bones. Oh, mais grave, mais Skull and Bones, je pense. Alors, je pense que Skull and Bones, il l'avait annoncé, ça sortira en même temps. Il me semble que le mode training de Rainbow Six et le mode tournoi de Rainbow Six avec Splinter Cell, je crois, ils le sortent le même jour, tout en fait. Avec World in Conflict 2 aussi. Pas trop sombre la map de nuit. Non, ça va. Non, franchement, non, ça va. Ils ont pas fait comme avant. Hein. L'éclairage est très bon quand même dans la map. Quoi. Voilà quoi, map de nuit, bon ok, mais bon, faut lever les yeux quoi, c'est tout quoi, autrement il y a quand même de l'éclairage de partout quoi. Non elle est trop bien, hein. Franchement elle est trop bien la map. Hein. Gamin, bah ouais, normal. Goal. On peut monter dessus? Attends, on peut monter dessus genre... Qu'est-ce que j'aime pas quand ils ont changé les drones où tu peux sauter devant, enfin... Je sais pas si vous avez connu les anciens drones, c'était pas comme ça quoi. Tu pouvais pas faire de saut à la verticale sans avancer. Je supportais pas, j'adorais moi quand tu pouvais pas faire ça. Down.
Oh là là, please. Putain, je loupe toutes mes décales, là. Comme une grosse merde. Zéro réflexe. On site. Kitchen. Two boss, boss there. Four last operator standing. Ah, j'ai plus de drone? Merde. Second one is also there. Yes, in the kitchen. Yes, GG. Bon bah ils ont tout fait mes potos. C'était pas très bon mais ils mettaient plus de kills que moi visiblement. Et c'était meilleur. Merci évidemment Al Gamer, nouvel étudiant du campus de la Solidity Academy. Bienvenue à toi. Welcome. Tu as testé Specs Ops The Line, FPS plutôt réaliste dans le scénario, vraiment sympa. Specs Ops The Line, what? Jamais entendu parler de Specs Ops The Line. Qu'est-ce que c'est que Specs Ops The Line? Allons voir ça. Specs Ops The Line. Attends, je vais checker. Specs Ops The Line. Ouais, envoyez-le-moi. Pam 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 pam. Specs Ops The Line. Ok. 7 ans. 8 ans, 5 ans, c'est vieux putain la vache. Nom de Dieu. C'est ça là? Ils envoient la cavalerie. Yanni les damnés du 33ème. Prépare quelque chose. Tue-les. On bouge de là. J'ai pas compris. T'as parlé de réalisme? Attends, c'est qui ce type? Des réfugiés! Des survivants de la tempête! C'est bien, non? Faut prévenir l'état-major, qu'il soit au courant. Ne brive pas! Dans le scénario, ah oui. J'ai eu peur. Parce que là, dites donc, ça a l'air très réaliste, hein. Wow. On y va. Oui. Ah, vas-y donc. Ah, il est mort. Ah, il explose. Ok. Non, je l'ai pas testé. Et je sais pourquoi je l'ai pas testé. Hein, parce que ça a l'air d'être bien de la merde. Mais si vous avez d'autres propositions comme ça, surtout, hésitez, hein, voilà. Qu'est-ce que c'était que ton truc tout pourri, là? Nom de Dieu. God damn it. On dirait Code Ghost, par contre. C'est un cover shooter sans originalité. Non, mais ça a l'air sympa, mais bon, ouais, il y a 8 ans, quoi. Il y a 8 ans. Elite Dangerous, c'est aussi un jeu monstrueux. Jamais joué. J'avais entendu que du bien, quasiment, de ce jeu-là. Mais jamais joué. Jamais fucking joué, quoi. J'aime bien le jeu Socom. Ah ouais? Pareil, ça, c'était un... Ouais, tout le monde m'en parlait, mais j'y ai joué une fois où j'ai vu un ou deux trailers et c'était pas ma tasse de thé, quoi. C'est le truc où tu te déplaces par case, là? Non? Un peu un jeu en pseudo-stratégie? Si, tu penses qu'ils vont vraiment le sortir, ce mode tournoi sur R6? Oui, peut-être. Franchement, j'en ai aucune idée, poulet. Hein. Je vais pas être médisant, mais je bosse pas pour eux, quoi. Hein. Je bosse pas pour Ubi, je bosse pas avec Ubi, donc j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée, pour le coup. C'est possible, hein. Enfin, j'espère. Hein. Moi, je m'y attendais là, pour le Sex Invitational, honnêtement. Plutôt que beaucoup, beaucoup d'annonces qui sont certes sympas, mais qui, normalement, sont du domaine du patch de mi-saison, quoi. Voilà. Socom, c'est un jeu PS1. Ouais, je me souviens, ouais. Enfin, je me souviens de l'époque où il était sorti. Hein. Clairement. Bref, la semaine prochaine, faut on se fera un petit chasse. Hein, hein. Vous avez vu? 3 jours après la hype de la nouvelle annonce, les gens vont sur le TTS et tout. Et puis c'est tout, quoi. C'est dire si ça manque quand même d'un truc, vous voyez ce que je veux dire? Un nouveau mode, un 2v2, un 3v3, un truc un peu hypant, quoi. Même un mode tournoi, là, franchement, les gens pourraient dire « Viens, 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 on fait un truc, tu vois. » Là, c'est... Pff. 3 jours après, on l'avait prédit, bon, bah, voilà, y a... sur les TTS, déjà, tout le monde est parti, quoi.
Tu préfères les anciennes ou nouvelles icônes d'agent? Oh, ça me dérange pas vraiment, honnêtement. En fait, j'aime bien les nouvelles in-game. Mais dans les menus, je trouve que je préférais les anciennes, en fait. Parce qu'il y a vraiment une espèce... Quand t'es à l'écran de sélection des opérateurs, il y a une sorte de pauvreté un peu... C'est un peu vide, en fait. Autrement, non, ça va. Ça va. Si tu es sur les TTS, ouais, on en fera un sûrement la semaine prochaine, ouais. Bah, sur Favela, quitte à se marrer, quitte à lancer un peu la hype sur le jeu, tu vois, et sur la nouvelle saison, bah, autant y mettre du sien aussi, quoi. Donc, je pense que oui, oui, oui. Je pense que les teachers, la semaine prochaine, en début de semaine, à mon avis, seront sur les TTS, oui. Ouais. Le TTS n'apporte aucune hype. Ils veulent baser leur test de fonctionnalité sur ça. Où il y aura 3% de la commune qui fait partie de la commune qui le joue de manière casuelle. Ouais, il n'y a aucune hype, ouais, c'est clair. Mais bon, là, le passé a aussi montré que la plupart du temps, malheureusement, il n'y avait pas une énorme différence... entre ce qui sortait sur le DTS et ce qui sortait sur la version live serveur, quoi. Donc bon, au final, c'est quand même une bonne représentation de ce à quoi on peut s'attendre dans quelques semaines, hein, je pense. Alors certes, il y aura les skins, certes, il y aura peut-être des trucs un peu plus sexy, mais j'y crois pas des masses non plus, hein. On verra. On verra, l'avenir le dira. Let's go. Wow. Il devrait pas renforcer là en fait. Notre ennemi ira d'enculé là. Et là, d'accord, ils ont tout renforcé comme des cons. Je tente des trucs, hein. Je pense que je vais me faire niquer par la porte de droite. En vrai, c'est un peu con. Ouais, derrière moi, il y a un mec qui bouge déjà. Là, ça pourrait être sympa d'avoir des rats peut-être aussi. Faut que je réfléchisse à ces petits setups qui pourraient être sexy, non? Ça tryhard en face ou... Si jamais faut t'en droner, quoi. Bah alors. C'est trop bien ce truc, ça. Easy peasy. Easy peasy. Je kiffe le bruit de la Vector quand tu lâches un spray. Ouais, c'est vrai que c'est assez jouissif, hein. C'est assez jouissif. Mais on l'a vu quand même, hein. Il y a quand même... dans la façon de jouer, etc. Maintenant sur R6, tu vois que les armes à forte cadence ont quand même...
Tu vois souvent sorti. Bon, effectivement, bon, c'est pas forcément. C'est aussi le gadget, quoi, bien évidemment. Mais Goyo, tu le vois souvent sorti. Les SMG-11, tu les vois souvent sortis. T'en vois vraiment des. Tu vois vraiment des armes avec des grosses cadences, quand même, quoi. Bon, Jaeger a une cadence de merde, en revanche. Kaïd aussi, ça faut que je le joue, quoi. En même temps, je sais pas pourquoi je le prends là, mais bon. Il est trop cheat, là, Jean. La nouvelle opératrice ? Ouais, ouais, bah, pas cheat, mais... Moi, je la trouve bien, honnêtement, je la trouve bien. Parce que ça t'enlève quand même beaucoup de trucs à côté, faut pas croire, quoi. Tu peux pas tout prendre non plus, donc va falloir faire des choix, et ces choix... Oh merde, pourquoi j'ai un holographique ? Merde. Alors là, c'est là... Ouais, c'est ça, c'est le truc qu'il y a là. Putain, je suis vraiment du père, c'est ouf, hein. Je sais pas vous, mais moi, je suis du père, quoi. Voilà, c'est vers l'extérieur, ça j'en souviens, donc faut le renforcer. C'est normal que je trouve pas la mage. C'est sur PC seulement, là, les DTS. Et c'est les serveurs de test. Vraiment du père sur ce truc-là. Là, c'est un rappel. On s'en rappelle que c'est un rappel. Sorry, bro. Avec un gros en plus, et tu piques, et au moment où tu piques, tu prends le heal, quoi. C'est vraiment trop bien. Ça a vraiment pété quand même. Ouf, propre ça, hein. J'aurais pu utiliser mon C4 en revanche. La 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 la. On va les aider. Hop là, on se barre après. Hop là, les deux, on vous a niqué. Two on site, hein. One friendly remaining. Pas de petit call pour lui, le pauvre. Non, il va pas y arriver. Non. Yo, quelqu'un peut me dépanner de 33 centimes PayPal, SVP, c'est urgent. Venez MP. 33 centimes PayPal, non mais sérieusement. Non mais je te jure, franchement, si je demande ça sur tous les streams de France, j'ai fait le calcul, sachant qu'il y a à peu près 6480 streamers, en demandant juste 33 centimes. 33 centimes quelque part, en plus c'est un montant que tout le monde peut donner, puisque c'est un centime. Personne ne va me dire non. Et bah du coup, on pourra s'acheter code, mon gars, on pourra s'acheter code, ok, ok, ok. Le prochain, on pourra se faire 60 euros. T'inquiète, moi aussi. J'étais à la dèche quand j'étais gamin. Ah nom de Dieu. Putain. à faire nos trucs pyramidaux, tu sais. Aïe aïe aïe. God damn it. We need
to locate a bomb. 54 de BPM, t'es encore en vie ou t'es en stase? J'étais pas à 54 là, hein. Je descends rarement à 54 quand même. 64. Non, j'ai un super cœur, j'ai vraiment un putain de cœur de ouf quoi. J'ai les poumons hachés, mais j'ai un cœur de ouf. J'ai vraiment un cœur de ouf. S'il y a bien un truc qui marche, c'est bien ça. J'ai un grand cœur, vous le savez. Abonnez-vous. Voilà. Petite chasse après. Oh, Jesse 953. Jesse 953, qui n'est même pas étudiante du campus de la Salty Academy et qui nous demande un petite chasse. Ça sent la nana qui vient de Thionville quand même. Comment tu sais? Parce que j'ai une bonne mémoire. Hein, Jesse 953 underscore, je me trompe ou pas? C'est pas toi de Thionville, non? ça avait fait toute la soirée, ça. Je sais pas qui était là. Ouais, donc touche. Bouge pas, j'ai rien en dessous de toi. Non! Ah, mais oui, bien sûr! Qu'il était derrière moi! Je t'ai dit don't push, enculé! Ah, c'est don't push! Don't push, Sarcasmus! Sarcasmus, carrément, quoi. Alors, j'ai une bonne mémoire ou pas? Ah, putain, Ludo, tu m'as envoyé un truc sur Twitter? J'ai pas vu, hein. J'ai pas Alt Tab. Ah, je vais regarder les talents. I hope everything is okay. Aïe. Ok. Lol. Ok. Bon, je te réponds après. Oh, il me faut un opérateur. Ouais, j'avais envie de crier. Et alors? Bon alors, la Thionvilloise, elle est partie. Ah quoi. Le truc de Conscience Sub, c'est qu'on a le charme de streamer sur Rainbow Six. C'est encore en marche ou bien? Oui, ça marche. 55 BPM. What? Je vais peut-être crever en live. C'est possible. Non, mais j'ai un bon cœur. J'ai... Voilà, quoi. Je suis unstoppable. Unstoppable. T'en penses quoi du prochain camo saisonnier? Je l'ai pas vu le prochain camo saisonnier. Et moi j'en ai rien à foutre des camos en plus! S'il y a bien un truc dont... Voilà quoi! Ok toi. Oh, j'avais pas vu comment elle le montait. Oh, c'est marrant, elle le fait en deux étapes en fait. Non c'est ça? Elle met d'abord le trépied et... Et après elle sort le truc de sa poche. Normal quoi. Et on peut pas avoir la cam ici d'ailleurs? Tiens. Question valable à chaque fois, à chaque round, on va. Ah, d'accord, ça c'est cool. Donc on peut avoir une cam, deux cams, trois cams. Voilà. Ok, assez rapidement. Tu vas te faire niquer à chaque fois, toi, mec, sérieux. Il est là, là, le mec. Putain, mais c'est ouf d'être aussi teubé, quoi. Bien sûr que la caméra, elle va là. Il va piquer en face, il va me faire mourir lui, tu vois.
Nostradamus là. What? D'où? C'est où le bon site en fait? Parce que je fais de la merde tout à l'heure. Je suis en mode Toto des îles. S'allonger ici au final. Je tente des trucs, hein, plus que je ne suis efficace. C'est des petites ouvertures de trucs. Ah, du coup, ça t'envoie là. Ce qui est pas le truc le plus méga glop. Ah, mais ça te permet d'avoir. Oh, mais c'est encore 3. Oh merde, je pensais qu'il en restait qu'un. Ah, no situational awareness. You can go because in 15 secondes, bah, c'est fini en fait. So, shooting at a wall is okay. Yes. Yes, thank you. GG, well played. Le recul des SMG 11 et 12. Et... Oh, c'était sympa là, il était monté sur la petite table. Tiens, je connaissais pas ça. Le recul des SMG 11 et 12 et celle de Ibana ont été abaissés, non? Ouais, Bering. Ouais, franchement, ouais. Je la joue un petit peu plus maintenant, quoi. J'aime beaucoup, vraiment. Bon, pas de là à en faire ma main, mais de là à faire en sorte que, par exemple, tu vois, quand je viens de péter une porte derrière, j'ai envie de piquer un peu dessus avec l'arme secondaire, quoi. Ça va me donner encore plus envie de jouer Ibana, au final, que je jouais déjà beaucoup, trop, parfois, en fait. Voilà. Mais vraiment, j'aime bien la map. J'aime bien. Là, je passe un bon moment à apprendre la map et à essayer de connecter les endroits, tu vois. Voilà quoi. Pam, 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 pam. Peut voir le tatou. Pour l'instant, sur Instagram, poulet. Je le mettrai sur Insta. Parce que là, j'ai mis un cellophane dessus, quoi. C'est pas très, très joli, quoi. Voilà quoi. Ouais, parce que autrement, ça frotte sur le tapis. Du coup, je l'avais. Ça fait mal. Le recul de H est vraiment terrible. Terrible, non. Il est augmenté, quoi. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Si c'est un opérateur qui est censé faire des kills, si c'est un opérateur qui est skill-based, bah voilà, maintenant, faudra faire du skill-based, quoi. Mais je pense que ça ouvre la voie sur les prochains... ce que devraient être les prochains recoil dans le jeu, en fait. Alors là, c'est moi qui parle en tant que joueur PC. Je prends pas en considération les joueurs console. Parce que s'ils mettent le même recoil sur console, ah, c'est la console, quoi. C'est pas aussi facile que nous pour gérer un recul, pour le coup. Voilà, quoi. La map est comment d'après toi? Un peu trop complexe, non? Non, elle est pas trop complexe. Non, ça c'est toujours l'impression quand au début on sort un peu de sa zone de confort et on a du mal à connecter. Parce que en fait, le problème c'est que il faudrait, en fait, sur une map par exemple comme Consulat, en fait tu peux déjà tourner autour, tu vois, et tu peux déjà faire un scan de « ok, j'ai compris, tu vois, le carré est là, quoi ». Alors que là, sur Favela, tu sais, ça, il y a des « ok, tu sais, c'est un cube, quoi ». Enfin, c'est pas un cube, c'est un... c'est une figure géométrique un peu chelou, quoi. Donc déjà, vu de l'extérieur, tu peux pas dire mm-hmm, tu vois. C'est chaque partie va aller, et puis tu, de temps en temps, à force de jouer dessus, tu vas dans ton cerveau, tu vas reconnecter deux parties, tu vas faire « ah, ok, ah, d'accord, mm-hmm, ah, d'accord ». Donc la verticalité à cet endroit-là, c'est comme ça et tout. Voilà, quoi. C'est un peu comme les premières fois quand tu te balades dans une ville, je trouve, tiens. Quand tu déménages dans une ville, c'est un peu pareil, quoi. Et que tu te balades quand t'as la bagnole, souvent, tu vois. Voilà quoi. Tu te balades avec ta bagnole dans une ville et puis un jour tu changes de rue, tu vois, et puis tu voilà, et puis tu fais ah mais ça mène là et puis un jour t'as le mapping total de la ville dans ta tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà quoi. Non maintenant vous êtes vu que vous sortez jamais de chez vous de toute façon et vous êtes vous douchez pas et tout machin. OK, j'arrive, à tout de suite.
Ok, ça a pas trop bien de game. Putain, c'est long hein, pour trouver une game. C'est long de trouver une game. Une putain de game. Un samedi après-midi, y'a pas à de game. Qu'est-ce qu'on fout sur ce putain de jeu? Mais pourtant, je l'aime. Une game, je l'aime. Je me suis fait un café, j'espère que vous avez pas trop patienté. Une putain de game. 4 minutes 44. Wesh. C'est la game de l'attente. Bientôt dans les packs. Mais va te faire enculer le médecin. Franchement, quand tu t'appelles le médecin, de musique, je les prends, je les retourne, je les en. Que des numéros 6. Mon café. Et tous ceux qui comprennent pas parce qu'ils ont à tous ceux qui ont muté le son depuis tout à l'heure. Mais vous êtes ouf ou quoi? Je vous fais un son de ouf moi. Ah, c'est bon ça comme son en plus hein. J'aime bien la petite machin. C'est le rap de Rainbow Six. 6-4. 1-1. C'est le rap de Rainbow Six. Wesh. Le rap de Rainbow Six. C'est le rap de Rainbow Six. R606 et R. Tu cheats, tu niques ta mère. J'ai lobby avec alibi. Mets ta santé au top, difficile. Ah, va te faire enculer, vas-y, faut que je travaille. Les paroles sont pas du top, tu sais. Let's go. Ah, perso, je préfère entendre ça que du Jules ou du Weshden. Ouais, merci, ça fait plaisir. Ouais, frère, c'est quand tu sors ton album, cousin? Soon. Ah, il était bon, là. Elle était bonne, la petite instru, là, franchement. De toute façon, c'est vous qui paierez pour le rap. Franchement, vous payez, je le sors. Hein. De toute façon, il y aura assez d'étudiants sur le campus de la Salty Academy, je le sortirai. J'ai dit la même chose pour un tatouage. Quel est le plus difficile pour moi, de faire un tatouage ou de faire une chanson de merde? Voilà quoi.
Alors, le tatou, ça donne quoi? Je le mettrai sur Instagram, les amis, parce que là j'ai dû mettre de la cellophane de machin dessus pour pour pas que ça frotte le tapis, quoi. Ah, combien tu le sors, ton son? C'est marqué au-dessus de moi? Non? C'est pas marqué au-dessus de moi? Non, vous vous rendez pas compte? Voilà, quoi. Oh, c'est un Weber. Oh non, je travaillerai dessus et j'en ferai un truc de ouf. Hein. J'en ferai un truc de ouf. Ah bah allez-y, hein, 2005, hein, c'est parti, vous pouvez commencer. Hein. Ah, il y a du taf. Hein. Et vous croyez quoi, sérieusement? Si je sors un truc derrière, c'est l'exclu mondial. Hein. Ok. Le droning qui sert à rien. Je drone sans droner. Hein. Activating drone. C'est là qu'il était monté tout à l'heure le mec. C'est pas mal en fait, pour pique sur la fenêtre. C'est un peu trop calme. Je préfère quand c'est un petit peu moins un peu calme. Et merde. Fucking god, man, that was so fucking insane! Woo! Oh, la propreté, mon gars! Oh, le petit Ace. Merci évidemment, Baba au KLM, d'avoir fait la possibilité à Hydra, à Anthony Purr, à Smokey Shake, à Oliver et à Lagash, leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. 5 droits de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Et toujours pas de rap. Merci évidemment, Baba au KLM. Envoyez plein de GG et de cœur, s'il vous plaît, dans le chat. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes des monstres, vraiment. Oh là 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 là. Que des headshots. Non, sérieusement, c'était propre. Franchement, c'était propre. Ah, oh, c'était propre. Oh, c'était propre. Sur une action comme ça, franchement, c'était... voilà, quoi. Oh, c'était quand même relativement propre. Mmh. Me dites pas qu'il fait les décals en toggle avec A et E. Bien sûr que si, tu crois que je l'ai fait avec quoi? Avec mes yep, avec des pédales. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Ça t'impressionne ou pas? T'es impressionné? Ouais, je sais, c'est impressionnant. Ah, ça me fait plaisir. Oh, la propreté là! Que du headshot. Pam 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 pam. Ça, j'ai encore la musique dans la tête là, elle est vraiment bonne. Mais comment tu peux te déplacer tout en restant appuyé sur E et A? Je sais. Je sais, quelque part quand je me pose parfois moi-même la question. Et je me dis mais comment je fais?
J'aimerais vous répondre, à vous, le bas peuple. Mais je ne peux pas. Je pense que c'est un talent. Je pense que c'est inné. Voilà. Ah, j'ai ça. C'est impressionnant. J'aime pas envie de droner, ça me saoule. Hop là, 180 into one tap, into rien du tout, parce qu'ils sont pas du tout là en fait. Calme-toi, François-Xavier, calme-toi. On s'assure qu'il ne pique pas la porte. What? Pourquoi? Hop là. GG guys. Elle est bien cette map, hein. Moi je l'aime bien, franchement je passe de bons moments quoi. What? What? Ce qui vient de coller là? What? Bolo quoi. Non, je perds pas contre des Brésiliens, moi, s'il te plaît, quand même, respecte-moi un petit peu. Merci Baba encore, t'es un monstre vraiment, poulet. Ah putain, c'est trop bon. Il a bouffé un truc, sérieusement, mais vous avez vu, c'était dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment infâme. J'aime bien la nouvelle map. Vous l'aimez, la nouvelle favela? Sondage. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Moi, ouais, vraiment bien. Ouais, elle était vraiment bien. Ouais. Franchement, elle est vraiment bien. Comment on a le résultat des 10 chess quand on y participe? Point d'exclamation YT replay. Et si la VOD n'y est pas, elle n'y est pas. Il faut attendre qu'elle sorte en version normale. Mais parfois, tout ne sort pas, quoi. Donc après, on les a plus, quoi. Après, il faut devenir étudiant et regarder les VOD qui sont sur la chaîne Twitch. C'est le seul moyen. Deux possibilités gratuites et une possibilité payante. Voilà. Disons les choses clairement. Très sympa. À voir dans le temps. Mais pour l'instant, très sympa. Ouais, elle était cool, hein, franchement. Hein. Je sais pas encore jouer. Mon PC a pas de GPU. Ah, merde. Bon, je fête ma fête aujourd'hui avec ton live. Eh bien, bonne fête, Water Amalice. C'est la fête quoi aujourd'hui? Demain, c'est la fête des mères. N'oubliez pas. Voilà. Oh, bah, heureusement, on me l'a rappelé. Tu la trouves plus complexe ou pas? Que avant? Bah oui, à partir du moment où tu avais... Il y avait certains bombes sites avant, c'était dégueulasse, honnêtement. C'est des bombes sites avec un bug, c'est bon, il n'y avait plus de bombes sites, quoi. Donc bon, à partir du moment où ils ont enlevé ça, tu vois. Non, avant, ouais, il y avait vraiment des bombes sites en 2 secondes. En 3 coups de shotgun, t'avais compris le bombe site, quoi. Tu vois. Donc elle était plus petite aussi. Là, les pièces sont quand même relativement plus grandes, quoi. En termes de superficie jouable, franchement, elle aurait été multipliée par... elle aurait augmenté de 40%, que ça m'étonnerait pas, quoi.
Bien en fait, c'était hier, mais pas grave, merci. Bah super. Mais bon, est-ce qu'on fête les fêtes? Voilà quoi. À part, tu vois, en fait, non, si, je sais pas quoi. Salut King Jong-un. Comment vous trouvez la nouvelle favela? Vas-y, je vais voter moi aussi. Ça paraît bien. J'aime bien. Voilà. Bof, pas du tout. Yo, pas trop mal le tatou? Bah... Du coup, je le mettrai sur... Je vais le mettre sur Instagram. Hein. Voilà quoi. On a dû mettre en live tout à l'heure. On a dû mettre du cellophane, autrement je pouvais pas jouer. C'était compliqué. Ouais, je le mettrai sur Insta. Vous inquiétez pas. Il dégorge encore un peu, donc bon, il est propre en sortie de... Il est propre en sortie de douche, quoi. Mais il dégorge encore pas mal, ouais. Ça va le faire encore pendant un bout de temps, quoi. Voilà. Papa. Voilà, quoi. 1v1, 6-4 ? Non. Non. Désolé, hein, avec le reflet, du coup... Et là, il dégorge beaucoup encore. Voilà quoi. Mais je le mettrai sur Instagram. Une belle photo, voilà quoi. La douleur, tu la ressembles à quoi quand tu fais un tatou? C'est difficile à décrire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs... Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un... Il y a quoi? Il y a la zone où tu vas le faire. Extrêmement, extrêmement important. En fonction du nombre de terminaisons nerveuses, quoi. Là, sur l'avant-bras, c'est pas le plus douloureux. Ouais, je veux pas dire que c'était une partie de plaisir, hein. Mais c'est pas le plus douloureux, ça va, en fait. C'est pas le plus douloureux, quoi. Tu fais un truc sur la plante des pieds ou un truc où il y a des grosses terminaisons nerveuses, ouais, non, mais là tu douilles, quoi, hein, voilà, quoi. Le biceps, par exemple, là, en plus, c'était fait au bambou et tout. Il y a des moments où tu te dis, bon, c'est bien sympa, mais bon, quand est-ce que c'est fini, quand même? Tu vois? Donc vous, voilà. Autrement, ça va. Après, le remplissage, il y avait certains endroits où, voilà, quoi. Quand tu m'entendais pas parler dans le chat, à un moment, je disais, ok, bon, là, je vais prendre juste 2 minutes. Voilà, quoi. Faut pas se contracter, en plus. Faut laisser tranquille. C'est difficile parce que, bon, c'est une agression, tu vois. Donc, t'as envie de te contracter, tu vois. Et faut surtout pas, en fait. Faut éviter. Faut se relax et tout, machin, quoi. Le mieux, c'est de commencer, si t'as un jour envie de faire un tatouage, tu commences avec un petit tatouage et puis tu vois un peu ce que ça donne, quoi. Un petit tatouage, une écriture, un machin, un truc genre comme ça, ça dure un quart d'heure, hein. Ça va vite, hein. Voilà, quoi. Voilà, donc ça dépend où est-ce que tu le fais, ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend de l'aiguille aussi, hein. Voilà, et de temps en temps, il changeait d'aiguille en fonction de... Je sais pas, hein. En fonction de si c'est du remplissage, pas du remplissage. Le remplissage a fait mal quand même. Hein. Mais bon, voilà, ça va, hein, franchement. Il y a quand même des personnes qui ont des tatouages genre 10 fois plus gros. Qui vont pas en faire tout un patacas, quoi. Là, c'était 1h30, hein, au final. Donc, ça se fait relativement vite. On attaque là, mais elle est où la bombe en fait? On sait pas. C'est ça l'idée? D'accord. Il y a un mec qui va pousser dans l'escalier là. Non. Elle est où la bombe en fait? Located a bomb.
What? Un demi, guys. Oh, bah, il est remonté l'autre. Personne ne parle. Dommage. C'est que les gens doivent écrire dans le chat et comme je l'enlève, bah voilà quoi. Tu le gardes combien de temps le cello? Non mais en vrai, après tout dépend de comment aussi ta peau réagit, etc. En vrai, faudrait le laisser à l'air libre au maximum pour que ça cicatrise bien quoi. Là, je l'ai mis parce que ça va frotter sur le tapis de souris, voilà quoi. En vrai, là, je l'aurais enlevé. Hein. Tu mets un peu d'huile de coco là, hop là. Très bon pour la cuisine aussi. Meilleure huile pour la cuisine. C'est un peu rush, hein. Un petit peu d'huile de coco et puis let's go. Hein. Ils ont remis l'ancien tab. Ah putain! Bah j'avoue, tiens. Pourquoi? Pourquoi ils ont remis l'ancien tab? J'avais même pas remarqué. Ouais, moi non plus, c'est tellement naturel. Ah, c'est vrai que quand on compare... En fait, j'aurais aimé qu'ils partent de celui-là et qu'ils rajoutent quelques trucs par rapport à... Voilà, quoi. Mais une fois de plus, je trouvais que sur le nouveau tab, ils perdaient un peu l'identité Rainbow Six, quoi. Ils partaient trop dans du Overwatch avec ce background blanc, là. Ça fait partie de leur test. Ils font tout par vague, qu'ils mettent, puis enlèvent. Ok. Ok. En soi, je sais pas si faut renforcer là. Les mecs, je sais pas. Peut-être un. Je tente des trucs. Hein. Double impact, du coup là. Est-ce que ça pourrait pas être mal de faire ça et se créer des lignes. En soi, l'escalier du coup devient très compliqué à jouer. Vu que ça, c'est une safe zone assez sympathique, t'as envie de la garder quoi. Il y a zéro verticalité. Ah là, t'as la fenêtre en revanche. Bon, là, faudrait renforcer. Hein. Je sais pas, on va tenter des trucs à la con. Hein. Pas moyen de choper un bonhomme par là, non? Pas trop où je regarde en fait. Attends, faudrait qu'il me donne 2 minutes, qu'il me pique, qu'il me spot pas. Faut que je regarde où je regarde. Ok. Ah, je voyais pas vraiment. Oh non, la ligne! Oh, la ligne qu'on voulait prendre tout à l'heure, qui était sympa, merde! Ouais, je fais de la merde. Non, j'ai fait de la merde. Pas grave, on apprend. Oh, le saut! Kona est super OP. Ouais, grave, hein. Enfin, pas OP, mais c'est vrai que c'est cool, hein. Quand tu reviens sur site, là, comme ça, là. Pioup, pioup, pioup. Limite, tu sais, tu mets les trois au même endroit, quoi. Tu fais une station de reload, tu vois. À l'endroit le plus safe d'un bomb site, quoi, tu vois. Où il n'y a pas de rotation, de trucs, de machin. Tu te mets ça, t'en mets 3 dans la kids sur un Oregon. Après, bon, celui qui est top escablant pour... Ouais, c'est pas ouf. De la rue aussi, prenez une grande ligne. Ah vas-y, de la rue quoi. T'aurais pu dire un truc. Putain, on aurait pu gagner, merde, j'aurais dû me concentrer un peu, je suis désolé. Parce que là après, faut repartir pour 10 minutes de waiting time quoi. Anyway. Tout le monde était contre sur les réseaux du système de manche au milieu du tableau. Ah ouais? Bah moi c'est pas que j'étais contre, enfin je trouvais ça pas mal le système de manche, je le trouvais très mal designé en fait, je trouvais que c'était un peu moche quoi. Mais le problème c'est qu'en fait,
Visiblement, enfin, il aurait fallu voir ce que ça donnait sur un match compétitif. Un truc avec 7 jusqu'à presque 15 rounds, en fait, possible. Enfin, j'aurais aimé voir ce que ça donnait, là. Mais là, c'était trop grand, trop étiré. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était pas ouf, quoi. Et après, le nouveau tab, je l'aimais bien dans l'ergonomie du nouveau tab était sympa. Et c'est juste la couleur, ce truc blanc, là. Blanc avec un bleu dessous. Enfin, je sais pas. Ça fait très, très Overwatch, je trouve. Et on perd un peu l'identité visuelle d'un Rainbow Six, quoi. Alors, on veut du neuf, mais quitte à faire du neuf, autant tout changer dans ce cas-là, quoi. En disant, voilà, la nouvelle identité visuelle, quoi. Mais sans aller copier, surtout sur du Overwatch, quoi. Je trouvais ça un peu trop futuriste, en fait. Voilà. Je sais pas. Mais je trouvais ça un tout petit peu trop futuriste, en fait. Faut faire comme sur un CS. Faut pouvoir faire un tiroir et changer de poste pour aller se heal, quoi. Ouais. Et sur un CS, comment ça? Tu te heal pas sur un CS? Tu penses quoi du post-mortem? J'en ai parlé beaucoup et longuement sur... si vous voulez, vous faites point d'exclamation Twitter, à KFF. Sur Twitter, il y a un truc, il y a quelques jours que j'ai balancé qui s'appelle le... On l'a fait ensemble. Donc le Salty Community Feedback, donc qui parle de tout ce que je pense qu'il faudrait changer ou garder, ou tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien, un feedback, quoi. Voilà. Et ça, je l'ai balancé sur Twitter. Donc ce sera plus complet que ce que je pourrais dire maintenant, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, le post-mortem, dans l'état actuel des choses, il peut sortir sur le jeu, pourquoi pas, mais juste en casu, quoi. Voilà. En non-ranked et en ranked, je trouve ça un peu naze. Vraiment. Vraiment, comme je disais, ça... les clutches sont sans saveur maintenant. Vraiment, t'es obligé de... Tu clutches plus contre un bonhomme, quoi. Tu clutches contre un bonhomme et 4 drones, quoi. Donc ça, c'est un peu de la merde. Enfin, je vois pas l'intérêt. Enfin, je comprends l'intérêt... Je comprends qui est ciblé derrière, en plus, pour ce genre de truc-là. Quelle est l'audience cible de cette feature-là. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, ça, voilà quoi. Parce que y a un petit peu d'élitisme, je pense. Voilà quoi. Tu penses qu'Ubisoft écoute sur les modifs à faire? Je pense qu'ils écoutent tout le monde, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Le jour où j'ai sorti le Salty Community Feedback, le jour où je l'ai sorti, et j'ai pas tagué personne, machin, il y a eu une personne, l'UX designer de chez Ubisoft qui m'a suivi. Voilà, le lien, je fais le lien, quoi. Il serait con de pas écouter la communauté. Non pas qu'il serait con dans le sens où il faut absolument écouter la communauté, elle a toujours raison. Non, et c'est du travail gratuit. C'est ta communauté. Et quelque part, ils bossent pour toi, en fait. Voilà, quoi. Tu t'écoutes et voilà, quoi. Ce qui veut pas pour autant dire... Parce que le problème de la communauté, c'est qu'en fait, elle a toujours une vision... elle a pas la big picture, quoi. Elle a pas, elle a pas l'image globale du truc, quoi. Voilà, quoi. C'est tout. Le problème du Ubisoft, c'est qu'ils font tête baissée, mais oublient ce gros... Attends. Mais oublient de gros problèmes de jeu. Ouais, mais bon, enfin c'est facile à dire ça, mais bon, c'est compliqué, quoi. Tu sais, c'est pas une personne qui bosse, quoi. Voilà, c'est beaucoup d'équipes, c'est compliqué, c'est une grosse machine, hein, c'est lent, hein, voilà, quoi. C'est beaucoup d'emails, beaucoup de trucs, machin, les réunions, les trucs, les roadmaps et tout. C'est pas évident, quoi, c'est pas évident. Et puis, du coup, bah, le problème, c'est que ils arrivent à sortir des gros trucs, tu vois, qui marchent bien sur beaucoup de trucs. Voilà, c'est une grosse boîte, quoi. Mais comme on l'imagine, une grosse boîte, tu vois, c'est un gros char d'assaut, quoi. Donc quand ça tire, mais ça n'a pas la réactivité parfois nécessaire que la communauté lui demanderait, en fait, tu vois. Ils peuvent pas du... Ah ouais, ok, bah on était sur les réseaux sociaux, bah ok, très bien. Voilà, genre un développeur qui serait tout seul à développer son jeu, et tu vas le voir et tu lui dis, ouais, je trouve que ça, c'est naze. Il fait, oh, t'as raison, bah je change ça dimanche. Bah non, ouais. Derrière, il faut que ce soit un mouliné, il faut que ce soit un géré, machin, enfin, inséré dans l'entonnoir du truc en disant hey, « on a entendu ça par rapport à la communauté, on a récupéré ça, ouais, mais regarde, mais ça, ouais, mais on pourra le gérer du coup que dans 2-3 mois, ouais, il faudrait l'insérer là. Ah, attends, on a le légal qui nous dit que c'est pas possible parce qu'à cause de ça, ah putain, on a les mecs du back-office qui nous disent « attention, on n'a pas pensé à ça, mais ça pourrait faire une faille de sécurité sur les serveurs ». C'est ouf, hein, franchement.
Tu fais un pas en avant et tout, t'es là, t'es... C'est bon, je marche pas sur... Non, c'est bon, moi aussi. Non, je marche pas sur vos plates-bandes. C'est compliqué, les grosses boîtes. Hein. C'est super compliqué. Hein. C'est beaucoup de mails et... beaucoup de mails. Voilà. Ça, c'est... Voilà. C'est beaucoup de mails et un peu trop de politique aussi, d'ailleurs. Hein. Je trouve que ça renouvelle R6, les nouveaux tabs. Change de design de temps en temps, ça peut faire du bien. Ouais, ouais, grave. Moi, ça me dérange pas, le changement de design. Au contraire. Au contraire, bien évidemment. Bien évidemment. Parfois, tu peux très bien vendre une marque de yaourt, tu vois. Et voilà, les paniers aux fruits Yoplait, bah, ça marche super bien, etc. Tout le monde achète, il y a du machin. Hein. Voilà, mais ça fait du bien de temps en temps de faire nouvelles recettes, nouveaux trucs, changer le packaging et tout, d'être plus dans l'air du temps. Rien que le changement, quoi, tu vois. Voilà, mais c'est assez logique, quoi. Ah, c'est pas une PME. Bah, ça, c'est sûr. Alright, guys. Je passe ici. J'avais dit un arrêt vers 18h30, mais bon, le temps que ça lance une game, etc., vous savez, ça pourrait être un peu plus compliqué. Et j'ai pas mal de trucs à faire sur le campus de la Salty Academy, surtout pour préparer le Yunkies Royal, etc., etc. N'oubliez pas, d'ailleurs, de faire... Ah oui, pour ceux qui ont demandé pour le tatouage, pour l'installation Instagram, les amis, et les surveillants, pour le coup, le tatouage, je ferai une belle photo au moins et je le mettrai directement sur Insta. Voilà à peu près tout. Demain, fermeture du campus de la Salty Academy. Je ne suis pas là, ça c'est sûr. En revanche, après-demain, reprise et sûrement un teach-us sur les TTS. Voilà quoi. Venez pas le réclamer, mais je dis sûrement, ok. Voilà, on verra en fonction de mon mood, tout ça quoi. Et en fonction du travail qu'il y a à faire, en particulier sur le Yunkies Royal, etc. Et que c'est Terra. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous entendez le son? Ce son, c'est celui qui marque la fin et donc le week-end sur le campus de la Salty Academy. Week-end d'une journée, mais week-end quand même. J'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Les surveillants, bien évidemment. Les membres du Salty Fan Club, à savoir les personnes qui se sont follow. Les personnes qui ont payé leur droit de scolarité. Frais d'inscription au campus de la Salty Academy. Les personnes qui se sont fait payer leurs frais d'inscription. Grâce à de généreux contributeurs. Bref, toutes les personnes qui font que la Salty Academy, vous le savez, ira to the fucking top. Et d'ici à lundi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon et agréable week-end. Profitez-en, il doit faire à peu près beau partout. Et de vous dire et de vous rappeler que certes, la Salty Academy... C'est salé. Oui. Mais...